Mes chers chroniqueurs, mes chères chroniqueuses, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'endroit où vous regardez l'émission. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous vous portez bien. Vous entendez, j'ai le nez pris. C'est la saison de des rhumes, des grippes et consorts. Je n'y échappe pas. Je n'échappe pas à la règle. En tout cas, j'espère pour vous que vous allez mieux. Alors, on va pas tarder à commencer notre émission. Je vais vous laisser quand même le temps de vous connecter. Encore quelques minutes. Je vais en profiter pour vous saluer. Qui est dans la place? Alors, qui est là aujourd'hui? On a Karine Kouabé, Otep. Bonjour, ma chère Karine, Otep. Ravi de te retrouver. Je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter. N'hésitez pas, qui est là, qui est dans la place? Qui j'ai vu? Ah, j'ai vu Marc. Bonjour, Marc. Sois le bienvenu. Ah, cette semaine, j'espère que la semaine a été bonne pour vous. L'actualité internationale est riche en rebondissements, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui est dans la place? Daouda. Hello, enchanté et bienvenue. Les amis, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Kaba Ubuntu, Otep, soit le ou la bienvenue. Alors, qui est là? N'hésitez pas à vous manifester. Tiens, dites-moi en passant, vous me regardez où? Parce que j'ai découvert que la chaîne s'internationalise de plus en plus. Donc, dites-moi d'où vous appelez, d'où vous regardez, de quel pays, de quelle ville, éventuellement. Kevin Guada. Otep, sois le bienvenu. Oui, Kabe, Foss. Salut, Marc. Alors dites-moi juste par curiosité d'où est-ce que vous regardez. Alors j'ai Daouda qui regarde de France, de Nantes. J'ai Dominique, hello Dominique, de la Guadeloupe. Ah bah la Guadeloupe, une petite attention particulière pour la Guadeloupe. Qui d'autre est là? Karine, Toulon, sud de la France. Alors les amis, eh bien écoutez, on ne va pas trop tarder, on va commencer notre émission. J'espère que vous êtes installés confortablement et c'est parti. Let's get ready to rumble! Alors, la dernière fois, notre invité, vous l'avez plébiscité. Vous n'avez pas tari d'éloges le concernant. Pierre ceci, Pierre cela, Pierre. Enfin, vraiment, j'ai rarement vu un tel engouement pour notre invité. Vous l'avez deviné, il s'agissait donc de Pierre Nilon qui était venu nous rendre visite pour parler d'Akhenaton. Eh bien, vous étiez tellement gourmand, hein, comme vous êtes des gros gourmands, j'ai dit bon, eh ben, je vais demander à Pierre s'il veut bien revenir. Et il a accepté. Pierre est parmi nous et nous allons discuter ensemble du roi Narmer. Alors, ça prouve à quel point je vous adore, les amis. Mais il ne faut pas trop gourmand et trop vorace. Vous aussi, il va falloir donner quelque chose. Ah ben oui, hein, il faut se soutenir les uns les autres. Alors, ce que vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Pierre Nilon, qui porte son nom, Pierre Nilon. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Pierre Nilon. Vous pouvez liker la chaîne de Pierre Nilon. Et vous pouvez aussi commenter. Ça lui donnera de la force. Ça voudra dire, donc, vous êtes vraiment intéressé par ses travaux. Ça sera un moyen aussi de le soutenir. Donc, n'oubliez pas de toujours soutenir les gens qui font un travail intéressant et non pas ceux qui vous donnent, vous font des belles phrases, qui vous disent ce que vous voulez entendre. Et aussi, ne l'oubliez pas, il ne faut pas se contenter de regarder des lives. Et c'est moi qui dis ça, on est en plein live. Oui, les lives, c'est très bien, mais il faut approfondir la recherche, il faut lire, il faut s'instruire, etc. Donc, ne soyez pas paresseux intellectuellement, c'est très, très important. Alors, Pierre est de retour parmi nous. Il attend patiemment que j'arrête mon blabla pour commencer. Et nous allons parler du roi Narmer. Alors, je voudrais voir avec lui et avec vous en quoi ce roi
est si important dans l'histoire de l'Égypte antique. Est-ce qu'il est important ou pas du tout? Est-ce qu'il est négligé ou pas? Est-ce qu'il est volontairement négligé ou pas? On va essayer de regarder tout ça ensemble. Alors les amis, vous vous installez confortablement, n'hésitez pas de venir avec vos questions et on va commencer notre émission maintenant. Et on accueille sans plus tarder notre invité, Pierre Nilo. Mon cher Pierre, bonjour, bonsoir Pierre, comment vas-tu? Bonjour pour ceux qui sont dans le jour et bonsoir pour ceux dont chez eux c'est la nuit, comme c'est mon cas en France. Donc sinon, je me porte bien. Très bien. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient toujours pas, hein, apparemment il y en a qui seraient peut-être nés dans une grotte ou ils sortent d'un coma profond, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît mon cher Pierre? Ben, je suis Pierre Nilon, originaire de la Guadeloupe. Donc, je vis actuellement à Paris. Et donc, j'ai fait des études de théologie et ensuite, j'ai fait de l'égyptologie avec Dukaya. Et depuis, ben, je continue la recherche parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et surtout avoir accès directement à donner notre version de l'histoire, expliquer les choses selon notre paradigme. Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse. Effectivement, tu as raison, c'est très important parce que souvent notre histoire, notre culture est très souvent racontée par les autres et il serait peut-être qu'elle soit racontée par nous-mêmes. Ça, là-dessus, je t'appuie et c'est l'objet de notre rencontre. Alors, Narmer. Parce qu'il se trouve que Narmer, à l'école, on m'a jamais appris Narmer. En ce qui me concerne, on m'a jamais appris Narmer. Je me souviens à l'école, c'était en classe de 5e, je crois, au collège. On nous avait appris qu'effectivement, il y avait deux Égyptes, la Haute Égypte, la Basse Égypte, et puis un jour, ben, elles se sont réunifiées, puis voilà, merci, bonsoir, l'histoire est terminée. Alors, avant qu'on entre dans le cœur du sujet par rapport à Narmer, comment ça se fait qu'il y a eu deux Égyptes, et pourquoi pas une dès le début? Est-ce qu'on a un élément d'information à ce sujet? Non, enfin, il n'y a pas vraiment d'élément. Vous savez, la lutte est dans la nature humaine. Et donc, l'homme, il a toujours besoin de conquérir de nouveaux territoires. Et donc, il y avait des peuples qui habitaient dans la vallée du Nil. Et puis, un jour, il y a eu quelqu'un qui a décidé d'étendre un peu son territoire. Donc, il est parti du sud pour remonter le Nil et conquérir d'autres régions. Et c'est ça qui va être à la base de la nation égyptienne. Si vous voulez, au niveau de l'histoire, chaque peuple a ses mythes fondateurs. C'est-à-dire, en France, on va parler de... comment il s'appelle, Charlemagne, le premier empereur. On va parler Clovis. La France va commencer avec Clovis. Donc, dans l'histoire des religions, les Européens vont prendre comme début de leur histoire la naissance supposée de Jésus. Les musulmans vont prendre l'Égypte. Les Juifs vont prendre, soit il y a deux parties. Il y en a qui vont prendre la naissance d'Israël, ça va être l'Exode d'Égypte. Sinon, au niveau de leur calendrier, ça va être la naissance supposée de Adam. Et si vous voulez, par exemple, en Haïti, ça va être Toussaint l'ouverture, vous voyez, la révolution haïtienne. C'est-à-dire, chaque peuple va définir c'est quoi l'acte fondateur pour établir sa nation. Et donc, en Égypte, il y a eu un acte fondateur, il y a eu un personnage, et officiellement, c'est la naissance de l'histoire égyptienne. Okay. C'est ce qu'on va appeler la période dynastique. Avant, c'est la période pré-dynastique. Vous voyez? Okay. Mais voilà. De ton point de vue, bon, on va y revenir peut-être un peu plus en détail, mais comment se fait-il, si j'ai bien compris, Narmer est célèbre pour avoir unifié les deux Égyptes, et donc le premier roi de l'Égypte unifiée? Mais comment ça se fait qu'on en parle? Alors, à moins que, comme je n'ai pas autant de connaissances que toi, mais je n'ai pas l'impression que c'est un roi dont on parle beaucoup, beaucoup autour de nous, même en dehors de l'école. Bon, je peux comprendre que 3000 ans d'histoire, on ne va pas apprendre ça à l'école, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas beaucoup plus de lui? Oui, c'est une question que je me suis posée, parce que généralement, dans les manuels d'histoire, vous allez voir que, bon, on va situer la naissance de l'Égypte, le premier pharaon, Narmer, Ménès, on aura l'occasion d'en parler. Et vous allez voir, on va situer, selon le manuel que vous utilisez, ça va être 3000 avant l'ère chrétienne, d'autres
3100, d'autres 3200. Vous voyez, on a une fourchette de 200 ans pour le personnage. Et donc, une fois qu'on a établi que Narmer fonde la période dynastique, la première dynastie qu'on va appeler la dynastie Tinit, parce qu'il était originaire de cette ville, après, on va tout de suite passer à autre chose. On va passer à Djoser, à ceux qui ont bâti les pyramides, parce qu'effectivement, Narmer, il n'a pas bâti grand-chose. Et pourtant, c'est un bâtisseur, hein, parce qu'il a bâti le royaume égyptien. On aura l'occasion de le voir. C'est un grand conquérant. On va nous parler actuellement du roi Scorpion. Après, on va nous parler de Toutmosis. On va nous parler de Ramsès II, d'Akhenaton. On en a parlé la dernière fois par rapport à sa réforme religieuse. On va nous parler d'autres pharaons, par exemple de Nectanebo, beaucoup d'autres. De Shabaka, de Taraka, de Nekao qui a fait le tour de l'Afrique avec des navires phéniciens. Mais Narmer, pas grand-chose, même au niveau des historiens. Et à ton avis, alors, est-ce que chez nous en Afrique, c'est exactement le même constat? Est-ce qu'effectivement, même en Afrique, bah, c'est un roi dont on ne parle pas beaucoup non plus, ou alors c'est purement une narration oubliée à l'occidental? C'est un petit peu oublié, mais vous savez, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on parle plus ou moins de Narmer. Ah. Enfin, on aura l'occasion parce que, vous savez, par exemple, Jules César, il va laisser le titre de César. Oui. Donc, on va trouver Tsar en Russie, on va trouver Kaiser chez les Allemands. Tout ça, ça vient de Jules César, voyez. Par exemple, Candace d'Éthiopie va laisser le titre aux femmes éthiopiennes, aux reines éthiopiennes vont porter le titre de Candace. Et donc, Ménès, Mani, va laisser le titre, on va trouver le Mani Congo, on va trouver les rois africains qu'on va parler des Mana, chez les Soninké notamment. Donc, il y a des traces au niveau des griots. D'accord. Alors, les amis, n'oubliez pas que c'est une émission interactive. Si vous avez des questions à poser à notre cher invité, n'hésitez pas, je les ferai apparaître à l'écran. Et en deuxième partie d'émission, on va ouvrir la ligne. Vous allez pouvoir venir en direct poser vos questions à notre invité. Alors, on va poursuivre notre conversation par rapport à Narmer. Oui, il y a pas mal d'inconnus, ce que je voudrais dire. Vous avez déjà donné un petit peu la généalogie de Narmer, oui, ou Ménès. Donc, on dit que sa mère s'appelle Sèche. Et son père, on ne sait pas exactement qui est son père. Donc, selon certains égyptologues, ce serait le roi Scorpion, Scorpion 2. Je crois qu'il y a des égyptologues qui mettent en doute l'existence d'un Scorpion 1 et d'un Scorpion 2, mais peu importe. Et il y en a d'autres qui disent que son père pouvait être le roi qu'on appelle Taureau. D'accord? Et donc, il serait né dans la ville de Tinis et sa femme se serait appelée Niethotep. Niet se repose. Et leur fils, bon, conventionnellement, on va l'appeler Aa, qui signifie combattant, selon certaines sources. Mais il y a d'autres propositions par rapport à ce nom aussi. Donc voilà, officiellement, c'est comme ça qu'on établit la généalogie, c'est-à-dire ses parents, son père, sa mère, et son fils qui va prendre la succession. Voilà. Justement, là, tu soulèves un truc intéressant, parce que c'était l'objet de ma question. On parle souvent, effectivement, de Narmer, de Ménès, du roi Scorpion. On pense que c'est... Il y a plusieurs théories qui circulent. Il y en a qui disent, en fait, c'est la même personne. Ou alors, des fois, c'est plusieurs personnes différentes. Est-ce qu'il y a eu... Le débat est toujours en cours, c'est tranché. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Le débat est toujours en cours. Il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. Bon, toujours est-il qu'on sait que, par exemple, Narmer, le roi Ménès, c'est un roi, franchement, il a quitté le sud pour conquérir le nord, et il a été faire des raids militaires jusqu'en Canaan, dans le sud de la Palestine. On a retrouvé des jarres qui portaient son nom. Donc c'est pour vous dire que c'était pas un petit roi. Il a quitté les frontières de l'Égypte pour aller jusqu'en Canaan. Ok. Tout à l'heure, là, on parlait d'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire, notre histoire même, est connue à travers les écrits des Européens. Ouais. Oui, c'est-à-dire, même moi, en faisant mes recherches, la matière première, c'est les Européens. C'est eux qui font les fouilles et c'est eux qui nous donnent les documents. Et donc, à partant de là, soit on fait du perroquetage, on répète ce qu'ils ont répété, et soit on prend le document et on essaie de travailler selon notre paradigme. J'aimerais qu'on
qu'on s'attarde quelques instants là-dessus. Est-ce que toi, tu as un élément de réponse, d'explication? Comment se fait-il qu'effectivement, on a dû quand même attendre que les Européens fassent des fouilles, des voyages, des recherches, pour que nous, autres Africains, nous ayons accès à cette information? Comment ça se fait que, selon toi, on n'a pas réussi à avoir accès à cette information un peu plus tôt? À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les aléas de l'histoire, l'esclavage. Donc déjà, les Noirs, ils n'avaient pas le droit d'étudier. Mais si on remonte vraiment dans l'Antiquité, c'est-à-dire les historiens ont toujours existé. Oui. Il y a des historiens qui peuvent s'exprimer par écrit, sinon par l'oralité, comme on appelle les djeli, les griots. Et donc, à un certain moment, les Européens ont décrété que l'histoire commence avec l'écriture. Donc, vous n'avez pas d'écriture, vous n'êtes pas encore entré dans l'histoire. Et donc, on va prendre la naissance de l'écriture comme point de départ. Tout est une convention. Comme c'est les Européens qui décident, donc on va fonctionner selon leurs conventions, plus ou moins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les peuples avaient leurs historiens, comme je l'ai dit, mais il s'est passé quelque chose au 5e siècle. Il y a eu un monsieur qu'on appelle Hérodote d'Halicarnasse. Le fameux Hérodote dont on va parler. Parce que dans ce que je fais, vous savez, il y a une suite logique. Dernièrement, on avait vu, avant de parler d'Akhenaton, on avait vu la période des Shamshouars. Donc, il y avait une relation avec la Mésopotamie, des gens sont venus de la Mésopotamie, etc. Donc, il y a eu pas mal de guerres. Après, il y aura le pharaon qu'on va appeler Narmer ou Ménès. Et donc, Hérodote, ça a été le premier à écrire non seulement l'histoire des Grecs, mais l'histoire des autres peuples. Parce que jusqu'à Hérodote, les gens se contentaient d'écrire leur histoire. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ça. Très intéressant ce que tu dis, très important. Tu me dis, dès que tu veux qu'on lance, parce que tu m'as envoyé de la documentation, dès que tu veux qu'on la passe, je la montre et on va commencer. Parce qu'effectivement, Hérodote est souvent considéré comme le père de l'histoire. Bon, ça dépend évidemment qui raconte. Est-ce que tu veux que je montre la documentation tout de suite? Oui, on va commencer avec le premier slide, justement. Ça marche. Alors, on va recommencer tout de suite avec le slide. Que voici. Donc ici, si j'ai bien compris, c'est donc Hérodote. Non, c'est le premier, celui-là, c'est le 2. Ah, pardon, j'en ai raté un. Oui. Voilà. C'est celui-là qu'on donne pour être Hérodote. Donc, bon, évidemment, on n'est pas sûr que ce soit un portrait d'Hérodote, il faut le dire clairement. Oui. C'est-à-dire, on a trouvé un buste qui est anonyme, vous voyez, il n'y a pas de nom dessus. Mais on a décrété que ce serait Hérodote. Donc, on va partir du principe que c'est Hérodote. Donc, il est né à Halicarnasse, qui est une ville en Grèce. Donc, on le situe 480-425 avant l'ère chrétienne. Donc, on est au 5e siècle. Et lui, il a voyagé en Asie, en Europe et en Afrique. Donc, les trois continents qui étaient connus dans l'Antiquité. Et donc, il a écrit sur l'histoire de ses peuples. Et c'est la raison pour laquelle on dit que c'est le père de l'histoire. Parce qu'avant, si vous prenez par exemple, si on veut faire de Moïse un historien, Moïse a écrit sur l'histoire du peuple hébreu et dans la mesure où ça touchait à d'autres peuples. D'accord ? Et donc, c'est la raison pour laquelle Hérodote, comme j'ai dit, il est surnommé le père de l'histoire. Et on n'avait pas vraiment une connaissance de l'histoire de l'Afrique avant l'époque où je vous ai parlé de la dernière fois du pharaon psamétique qui avait donné le droit aux étrangers de s'installer en Égypte et d'apprendre. Et donc, Hérodote, je vais vous lire un passage de Hérodote, livre 2, là, 154. Il dit « C'est depuis leur installation en Égypte et grâce à leur relation avec la Grèce que nous avons, nous autres Grecs, une connaissance exacte de l'histoire de l'Égypte à partir du roi psamétique, car ils ont été les premiers hommes parlant une langue étrangère à s'établir en Égypte. » Vous voyez ? Donc, c'est à partir de là que les Grecs vont commencer à s'intéresser à l'histoire de l'Égypte. Et donc, Hérodote, il a questionné les prêtres, parce que lui-même, il dit que c'est surtout les prêtres d'Héphaïstos. Héphaïstos, c'est Pythagore, le forgeron de la ville de Memphis. Et donc, il dit, mine, c'est Ménès, c'est en grec, fut le premier roi d'Égypte. C'est lui, m'ont dit les prêtres, qui a protégé Memphis par une digue. On verra l'importance de tout ce qui est dit dans ce passage.
Ce Min, le premier roi du pays, y bâtit la ville qu'on appelle aujourd'hui Memphis. Il éleva dans cette ville le temple d'Héphaïstos, qui est vaste et particulièrement digne de mention. Donc, dans ce passage, Hérodote établit un certain nombre de choses à Hérodote, à Ménès, qu'il aurait protégé la ville de Memphis par une digue, qu'il aurait bâti la ville, et enfin qu'il aurait bâti aussi le temple, il aurait élevé le temple d'Héphaïstos. D'accord? Donc, on va passer maintenant au slide numéro 2. Non, c'est-à-dire... Ouais, c'est le bon. Là, on est au 1er siècle avant l'ère chrétienne et il s'appelle Diodore de Sicile. Vous voyez, à tous les coups, il y a le nom, Diodore de Sicile. On donne son origine. Et donc, lui aussi, il a écrit sur Ménès très peu de choses. C'est-à-dire, on est au niveau histoire, on a deux grands historiens. Il y en a un qui est grec, le deuxième aussi est grec, mais il est né en Sicile. Donc, il est Diodore de Sicile. Et lui, il nous dit, il nous faut parler aussi des législateurs qui se produisirent en Égypte et qui ont indiqué les règles si étranges et extraordinaires. De fait, après l'ancienne organisation de la vie en Égypte, que les comptes placent au temps des dieux et des héros, qu'on a vu la dernière fois, les dieux, c'est les éléments de la nature, les héros, ben, c'est les suivants, les serviteurs d'Horus. Le premier, disent-ils, à avoir convaincu les masses de suivre des lois écrites, fut Ménès, homme à la fois grand par l'esprit et par la conduite, le plus équitable de tous les hommes dont le souvenir demeure. Vous voyez, les mots ont leur importance, hein? Oui. Donc, on aura l'occasion de revenir sur le mot, le souvenir demeure. Et donc, vous savez, en Égypte, on peut dire que le premier historien égyptien, dans le sens européen, c'est Magnéton de Sébénitos. Et lui, il vit à l'époque ptolémaïque. Il va écrire une histoire de l'Égypte à la demande des Grecs, justement. D'accord. Vous voyez ? Donc, on l'appelle Magnéton de Sébénitos parce qu'il est originaire de la ville de Sébénitos. Et son nom, Magnéton, je crois la dernière fois je l'avais dit, signifie « donné par Thoth ». Vous voyez ? Et Sébénitos, si vous voulez, le mot, logiquement, c'est Thében Nepté, qui signifie simplement, il y a plusieurs façons d'expliquer ce mot. Il y a le mot Teb, qui signifie, ou Tab, qui signifie sauter sur ses pieds. Vous voyez? Mais en même temps, en copte, vous avez le mot Teb, qui signifie l'orteil. Vous voyez, on est toujours dans le même champ sémantique. Et donc, ça peut signifier aussi le talon de Dieu. Ce n'est pas le talon d'Achille, mais c'est le talon de Dieu, la ville de Sébénitos. D'accord. D'accord. Donc là, on va passer. Juste avant qu'on continue, les amis, oui. C'est très intéressant de lire aussi ce qu'ont écrit les autres nous concernant. Donc je vous. Attendez, je vais l'agrandir deux petites secondes. Que voici. Je vous invite, les amis, à vous procurer ce livre. On a parlé d'Hérodote. Mm-hmm. Son livre s'appelle Histoire. Très, très, très intéressant. Vous pouvez le lire. Je vous ai mis les liens dans la barre de description de la vidéo. C'est très intéressant. Lisez Hérodote, vous allez un peu mieux comprendre l'histoire. Et puis, vous allez voir aussi qu'il y a des différences entre ce que lui dit Hérodote et puis ce qu'on nous a raconté un peu plus tard après. Donc, mais bon, je ne veux pas anticiper. On va continuer. Oui, tout à fait. Il faut lire Hérodote. Il faut lire aussi Diodore de Sicile. Oui. Parce qu'effectivement, comme tu le soulignes, il y a des différences en ce que disent les historiens avant l'esclavage et ce que racontent maintenant les Européens. Donc voilà. Et si vous lisez Hérodote et Diodore de Sicile, l'histoire de l'Afrique vous paraîtra beaucoup plus claire. Parce qu'ils n'avaient aucune raison de mentir, puisqu'à cette époque, les Noirs dominaient. Donc ils n'avaient aucune raison de falsifier leur histoire. Là, d'accord, je suis obligé de passer un petit jingle, parce que ce que tu viens de dire, c'est fort. You're gonna learn today. You're gonna learn today. Vous avez entendu, les amis ? Il faut absolument lire Hérodote, Diodore de Sicile. Vous avez entendu ? Parce qu'eux ont raconté des choses et il y a un gap. On va y revenir un peu plus tard. Donc, c'est très, très important. Merci d'avoir apporté cette précision. Alors, on continue. Je t'en prie. Ben, juste pour donner un exemple, voyez, si vous lisez Diodore de Sicile, Diodore de Sicile dit que l'humanité est née en Afrique et que les Éthiopiens sont les premiers hommes. Ben, quand on fait des fouilles archéologiques, par exemple, Yves Coppens en 74 en Afrique, ben, c'est effectivement dans la vallée du Nil qu'on va retrouver Lucie. Et après, on va retrouver Toumaï au Tchad, mais c'est toujours sur le continent africain. Voyez ? Absolument.
Et après, la génétique, le génome humain aussi, place l'origine de l'humanité chez les Éthiopiens, Tadou, chez les Noirs. Donc, voyez. Donc, ce n'est pas une découverte, hein, c'est une redécouverte. Est-ce qu'on peut s'arrêter deux petites secondes parce que tu as utilisé le mot éthiopien. Et je suis sûr qu'il y en a parmi nous qui sont un peu confus. Dit, mais Éthiopie, pourquoi pas? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le mot éthiopien? Oui, éthiopien, c'est, vous savez, bon, nous maintenant, on se dit, on se donne notre véritable nom, Kem, qui signifie noir. Ben, les Grecs, ils avaient fait exactement la même chose. Eux étant blancs, ils arrivent, ils voient des gens qui ont le visage noir. Donc, ça va donner le mot chez eux en grec, Aethiop, qui signifie visage noir. Un peu comme dans les films de cow-boys, on va dire visage pâle pour les blancs et peau rouge pour les indiens. Donc, c'est le mot qui signifie tout simplement noir, ceux qui ont le visage noir. Vous voyez? Et donc, ça n'a rien à voir avec l'Éthiopie de l'Abyssinie. C'est toute l'Afrique qu'on appelait, enfin, une partie de l'Afrique qu'on appelait Éthiopie, parce qu'il faut savoir que les Grecs, comme ils connaissaient l'Égypte, donc ils désignaient l'Égypte sous le nom de l'Égypte. Et ensuite, ils désignaient le Maghreb sous le nom de Libye, et qu'ils ont étendu à tout le continent. C'est-à-dire, à partir d'Aswan, ils parlaient d'Éthiopie. Mais tout le continent était appelé la Libye. Vous voyez? Donc, quand on lit l'Éthiopie, c'est surtout le Soudan méroïtique. C'est-à-dire Kerman, Napata, Méroé, c'est de ce pays-là qu'on parle. Et pas de l'Abyssinie. L'Abyssinie va faire partie de ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique avec la Somalie, que dans les documents égyptiens, on va appeler le pays de Punt. Excellent. Bon, ouais. C'était important d'apporter cette précision. Ouais. Les amis, on va continuer. Dites-moi hein, si vous m'entendez bien, vous me voyez bien, vous entendez Pierre, tout va bien. Je vois que personne n'a réagi, donc je suppose que tout va bien de notre côté. Donc, on va poursuivre. Alors, ouais. On va passer au slide suivant, puisqu'on parle d'histoire. Ici, vous avez ce qu'on appelle la liste royale d'Abydos. Donc, c'est un document qui donne une liste de 77 rois, 76 rois. Donc, ça commence avec justement Ménès, Mine, et ça s'arrête avec Séti Ier. D'accord? Et donc, c'est un document qu'on va appeler la liste royale d'Abydos qui date de 1300 environ avant l'ère chrétienne. Donc, vous voyez, on est avant Hérodote, le père de l'histoire. Les Noirs, ils font déjà de l'histoire parce qu'il y a une liste royale. Il y a une chronique, comme ta chaîne, quoi. Ils tiennent déjà une chronique africaine. Sinon, à part ce document, on a beaucoup d'autres documents. On a, par exemple, le canon royal de Turin, qui date du règne de Meremta, qui est le fils de Ramsès II. Donc, on est toujours à la période ramesside. Donc, on a pas mal de documents. On a aussi ce qu'on appelle la pierre de Palerme, qui serait le plus ancien document donnant la liste royale. Donc, on a depuis Hérodote jusqu'à un pharaon qui s'appelle Néferkarékaka, qui on situe vers 2450 avant l'ère chrétienne. Vous voyez? Donc, on est à environ 2450. Donc, si je rajoute en gros 500, on est environ 7 siècles après Narmer. Ah, quand même. Ça veut dire que les Noirs, ils ont répété leur histoire, tradition orale, et je pense même que ce n'était même pas une tradition orale, puisqu'on verra que l'écriture existait de l'époque de Narmer, puisqu'on l'a vu déjà à l'époque des Shemshuor, il y avait des écritures qu'on a pu déchiffrer, si vous vous en rappelez. Donc, ils notaient déjà, on tenait déjà des chroniques bien avant Narmer. Pendant Narmer, on en a tenu, on va voir, on faisait la comptabilité à cette époque, on aura l'occasion de voir ça. Donc, et ensuite, vous avez Mésopotamie, ce qu'on appelle la liste royale sumérienne, qui va donner le nom déjà les premiers rois avant le déluge, après le déluge, jusqu'à un roi qui s'appelle Sin-Magir. Donc, on est environ 1830 avant l'ère chrétienne. Vous voyez, donc aussi bien en Mésopotamie que dans la vallée du Nil, on faisait déjà de l'histoire. Mais comme je vous l'ai dit, cette histoire était concentrée sur son peuple, pas sur tous les peuples. Les Égyptiens ne faisaient pas l'histoire de la Mésopotamie, les Mésopotamiens ne faisaient pas l'histoire de l'Égypte. D'accord. Et donc Hérodote, comme lui, il a été le premier à s'intéresser à l'histoire de tout le monde. Donc c'est la raison pour laquelle on dit c'est le père de l'histoire. Okay. Voilà. Donc là, on va passer au slide suivant.
Je vous ai dit qu'il y avait l'écriture. Donc là, on a le nom de Ménès. Voyez. Donc c'est sur la liste royale d'Abydos. C'est le premier nom, le premier cartouche que vous allez voir. C'est celui du fondateur. Donc on a trois hiéroglyphes. Il y a l'espèce de damier que vous voyez en haut, qui déjà va donner le squelette consonantique MN. Ensuite, le filet d'eau que vous voyez, ça va être un complément phonétique, c'est la lettre N. Le roseau que vous voyez en bas, c'est la lettre A, mais certains vont transcrire par la lettre I. Là aussi, bon, il y a des petits débats entre égyptologues. Donc, si bien que certains vont l'appeler Méni, d'autres vont l'appeler Mani, et moi, je translittère par le A, donc moi, je vais dire Mana. D'accord? Mais bon, c'est juste, vous savez, dans certaines langues, ce qui compte, c'est le squelette consonantique. Après, il y a plusieurs dialectes, et en fonction des voyelles, bon, ça peut changer. Mais ce qui est important, c'est le squelette consonantique. Donc, on a tout le temps MN. Et ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, Diodore de Sicile disait, en parlant de ce roi, que le plus équitable de tous les hommes dont le souvenir demeure. Ce mot-là est important. Oui. Demeure. Si vous allez en copte, qui est l'aboutissement de l'égyptien, vous prenez le squelette consonantique dont je vous ai dit MN, ben vous avez le mot man, men, moon. Et en copte, ça signifie demeurer, rester stable, quelque chose qui doit durer. Ok. D'accord? En Bamana, qui est la langue parlée au Mali, Sénégal, Mauritanie, Côte d'Ivoire, c'est parlé un peu partout en Afrique de l'Ouest, mais essentiellement au Mali, ben, il y a le mot « men » qui signifie « demeurer, durer, rester longtemps ». Vous voyez, c'est le même mot. Vous avez aussi le mot « mena ». Je vous ai dit que pour moi, je traduis le roseau en bas par la lettre « a ». Donc, vous avez « mena »,« mana » qui signifie « longtemps », ce qui dure. Vous voyez? Et maintenant, on va passer chez les Soninké. Eux, ils ont le mot « moon » ou encore « mouni » qui signifie « demeurer, patienter, endurer, supporter ». Vous voyez? En Oromo, qui est une langue qui est parlée en Éthiopie, au Kenya aussi, il y a le mot « mana », celui dont je vous ai parlé. « Mana » qui signifie « demeure, l'endroit où l'on vit, la maison, le foyer ». La maison, c'est là où on demeure. Effectivement. Voilà. Et en Somali, qui est une langue parlée dans la Corne de l'Afrique, dans le pays de Punt, ils ont le mot min, M-I-N, qui signifie la même chose. L'endroit où l'on habite, où on demeure. Donc, la maison, le foyer. Voilà. Voilà ce que signifie son nom. C'est celui dont le souvenir demeure. Et son souvenir va demeurer d'autant plus qu'il va fonder la royauté. Et que les autres pharaons qui viendront après lui vont perpétuer ce qu'il a fait. Donc, il demeure. Ok, d'où pour son nom. Ok. Oui. Donc, j'ai une question rapide de Junior que j'affiche ici, que je salue Junior. Oui. Il te demande, est-ce que l'Oge d'Ishango, c'est avant d'Arber? Ah oui, longtemps, longtemps avant. L'Oge d'Ishango est daté, selon certains, entre 20 000 et 23 000 avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire... Narmer, c'est longtemps, longtemps après. Longtemps après. Ah oui, voilà. Merci pour cette petite réponse. Donc, les amis, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions stupides, parce que vous êtes là pour comprendre, pour apprendre, pour partager, pour échanger. Comme je le dis souvent ici, on pratique l'Ubuntu intellectuel. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, là, on va passer au slide suivant, puisque je vous ai dit qu'il y avait une différence d'environ 200 ans entre l'époque... pour situer le règne de Narmer. D'accord? Donc, voilà. Ici, vous avez deux cartouches. C'est les deux derniers cartouches sur la liste royale d'Abydos. Donc, je n'allais pas vous étaler les 76. On serait là demain matin. Donc, il y a deux. Il y a celui de Ramsès Ier. C'est le numéro 75. Et celui de Séti, ben, c'est le suivant. D'accord? Et là, on a le nom du pharaon, il s'appelle Menpatira. D'accord? C'est ce qui est marqué. Menpatira.
Donc, voyez toujours l'espèce de damier que je vous ai dit, ça donne le son MN, men, qui demeure. Vous avez la tête de lion avec les deux galettes, pati, et tout en haut, vous avez le soleil, Ra. Donc, ça se lit men, pati, Ra. Il est autre que Ramsès II, le père de Séti Ier, dont le nom est le suivant. Et donc, c'est le grand-père de Ramsès II. D'accord ? Ce nom est vocalisé Minpatiria par les Hittites, parce que le nom existe, c'est-à-dire les Hittites qui ont combattu les Égyptiens, ils l'ont mentionné. Et donc, ça se trouve dans un document qui est au musée d'Ankara, en Turquie. C'est les archives de Bogoska. D'accord ? Pour ceux qui veulent vraiment faire plus de recherches. Et ce nom est vocalisé Ménophret par les Européens, c'est-à-dire par Théon d'Alexandrie, qui est un historien qui a vécu en 335 à 405 de l'ère chrétienne. D'accord ? Oui. Et lui, Théon d'Alexandrie, nous apprend que du début du règne de Dioclétien, c'est-à-dire Dioclétien va prendre le pouvoir en août 284, par rapport au calendrier julien, donc ça va correspondre au 11 septembre. D'accord ? Jusqu'au début de Ménophrès, il s'est écoulé 1605 années, ce qui correspond à ce qu'on appelle une période sautiaque. Donc il faut savoir qu'une période sautiaque, c'est 1460 ans. Ok. C'est-à-dire, ben, tous les 4 ans, on va prendre un jour de retard. Là, on va rentrer un petit peu dans le calendrier nilotique que j'ai restitué, donc j'aurai l'occasion de vous en parler. Et donc, au bout de, il fallait compter 1460 années, et la 1461e année, tous les éléments reprenaient leur place. C'est-à-dire, le lever, la crue du Nil allait correspondre à nouveau au lever de Sotiac, de Sotis. Vous voyez ? Et parce que sinon, tous les 4 ans, ça va prendre une journée de retard. Okay. Et donc, pour les Égyptiens, c'est important parce que, vous voyez, Théon d'Alexandrie va nous parler de l'ère de Ménophrès. C'est-à-dire que les Égyptiens comptaient une ère, parce que nous, maintenant, on va dire une ère, c'est 2000 ans. Oui. D'accord ? Mais ça, c'est dans le paradigme européen. Bien, pour les Égyptiens, c'est une période sautiaque. Oh. Donc, même voilà. Les mots ont leur importance, même les oui, oui, oui. Et donc, voilà, je peux montrer à l'antenne, voilà, le calendrier nilotique en question. Donc, pour ceux qui sont intéressés avec les saisons, c'est là-dessus que c'est basé. Donc, il faut reprendre notre paradigme pour bien comprendre les choses. Alors, les amis, n'hésitez pas. Hein, bon, les gens qui sont intéressés, ben, le calendrier... Bon, je fais un petit peu de publicité. Vous pouvez aussi, sur ma chaîne, ma page Facebook, il y a le lien. Vous pouvez vous procurer aussi le calendrier. Alors, les amis, n'oubliez pas, visitez la chaîne YouTube de Pierre Dillon et allez voir aussi sa page Facebook qui porte son nom, Pierre Dillon. Et vous pouvez le contacter directement si le calendrier vous intéresse. N'hésitez surtout pas. Oui. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, avec la section au trône du pharaon Menpatira, celui dont le nom est là, le 75e, nous avons une réforme calendaire consistant à rebaptiser les mois. Seuls 3 mois conserveront leur nom. C'est-à-dire, si vous prenez le calendrier nilotique que je vous ai montré avec 12 mois, donc c'est dans la tombe de Sénémout, à l'époque de la reine Hatshepsout, ben, il n'y a que 3 mois qu'on va retrouver les mêmes noms. C'est les mois de Hathor, Koaka et Chans ou Khonsu. D'accord ? Les noms de ces mois se retrouvent dans les papyrus araméens d'Éléphantine au 5e siècle, c'est-à-dire à l'époque même d'Hérodote. On a des Juifs qui vont quitter le pays de la Judée, oui, par rapport à Nabucodonosor. Ils vont trouver refuge en Égypte. Donc, ils vont monter une colonie. Il y aura les Juifs d'Éléphantine, qui sont très connus. Et donc, ils vont avoir leur écriture des papyrus égyptiens. Et là, ils vont appliquer ce qu'on va appeler la double datation. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser leur calendrier d'origine babylonienne et ils vont en même temps utiliser le calendrier ben, du pays d'accueil, l'Égypte en l'occurrence. Et donc, quand ils vont noter un événement, ils vont mettre le mois, par exemple, si c'est Kislev, si c'est n'importe quel mois du calendrier hébraïque, ils vont mettre à quoi ça correspond en Égypte. D'accord. C'est-à-dire un peu comme si, par exemple, un musulman,
il mettait l'année de l'Égir et il mettait la correspondance, par exemple, le 8 janvier 2022. Donc, okay. Dans ce document, il va mettre deux datations. Il va mettre une datation par rapport au calendrier musulman et un calendrier grégorien. Ben, c'est pas nouveau. Les Juifs faisaient la même chose. Donc, ça peut nous permettre aussi de faire la correspondance et de bien établir, bien calculer le calendrier égyptien, le nouvel an et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Les gens étaient relativement précis dans ce qu'ils faisaient. Très, très précis. On aura l'occasion de le voir. De même, à la session au trône de Dioclétien, donc le 29 août 284 du calendrier julien, ce qui va correspondre au 11 septembre du calendrier grégorien. Nous avons encore une réforme calendaire donnant naissance au calendrier copte. Dioclétien, il va commencer par massacrer les coptes, nos frères chrétiens à l'époque, qui avaient adopté le christianisme. Et donc, ça va être considéré comme étant l'ère des martyrs. Et ça va donner le point de départ du calendrier copte. Donc, à ce moment-là, il va y avoir un décalage entre les mois de l'ancien calendrier et de ce nouveau calendrier. C'est ça aussi qu'on fait de l'histoire. Il faut tenir compte de ça. Vous savez, c'est un peu comme quand on va passer du calendrier julien au calendrier grégorien. Si vous prenez les mois, on va faire un petit exercice rapide. Oui, oui. Septembre, c'est le septième mois. Et pourtant, quand vous regardez, septembre, c'est 09. Octobre, c'est le huitième mois. Octobre, maintenant, c'est le dixième. Voyez, novembre, c'est le neuvième et décembre, c'est le dixième mois. Oui. Voyez, et donc, quand vous regardez la signification de ces mois, c'est-à-dire septième, huitième, neuvième et dixième, ça ne correspond pas à leur classement au niveau de l'année. Tout simplement parce qu'on a changé le nouvel an. Et donc, oui, du coup, le mois qui était le dixième se retrouve le douzième. Voyez. Et donc, à l'époque de Dioclétien, quand il y a eu une réforme calendaire, il s'est opéré la même chose. Si bien que le nouvel an de les coptes va tomber le 11 septembre. OK. Vous voyez, qui n'a rien à voir avec le nouvel an kémite. Effectivement. D'accord. Donc, là maintenant, je vous ai dit que Théon d'Alexandrie nous a dit qu'il s'est écoulé 1605 années entre l'année de la prise de la session au trône de Dioclétien jusqu'à l'ère de Ménophrès, c'est-à-dire Manpatira. Et il donne ce point comme étant l'aboutissement, c'est-à-dire la session au trône de ce pharaon, comme étant l'aboutissement d'une période sautiaque. C'est très important, ça. Et donc, si on prend maintenant 284, on va retirer 1605 années, on va arriver à 1321 avant l'ère chrétienne. D'accord ? Mais il faut rajouter un an, parce que l'année zéro a quand même duré un an. Ah oui, effectivement. D'accord ? Ah oui, et oui. Et donc, ce qui veut dire que, techniquement, le pharaon Menpatira, c'est-à-dire Ramsès Ier, a pris le pouvoir en 1322 avant l'ère chrétienne. Ça, c'est une datation absolue. Maintenant, les Européens, ils vont prendre la plus ancienne date de chaque roi qu'ils ont trouvé, ils vont additionner et ils vont trouver des dates. Et donc, si bien que quand vous allez chercher, par exemple, sur Wikipédia, vous allez voir que peut-être Ramsès II, c'est 1290, 1300, grand maximum. Donc, on va avoir déjà 20 ans, une vingtaine d'années de différence, une génération. Voyez. Donc, on va continuer. Alors. Donc, en 239, non, pas tout de suite, pas pour l'instant ce slide, il y a Censorinus, en 239, dans un livre qui s'appelle « Le jour de naissance » d'Eddie Nathalie, il nous apprend que 100 ans auparavant, soit en 1339, c'était l'aboutissement d'une période sautiaque, c'est-à-dire 1460 années. Donc, maintenant, si nous prenons 1339, on va retirer 1460, qui est une période sautiaque dont je vous ai parlé au début. On va arriver à 1321, mais il faut encore rajouter les 1 an de l'année zéro.
Donc ça, c'est la preuve par 9. En prenant une autre source, on va arriver à la date de 1322 avant l'ère chrétienne. Ça, c'est pour établir la chronologie par rapport à Ménès. Hein? Oui, oui, oui. Donc, nous avons vu que Manpatira, c'est-à-dire Ramsès Ier, qui est le 75e génération après Mana, sachant qu'une génération représente, ça c'est les généalogistes qui le disent, 25 ans, c'est-à-dire dans un siècle, vous avez 4 générations. Même au niveau de votre famille, vous pouvez voir au bout d'un siècle, ben, vous avez peut-être la grand-mère, le père, le fils et le petit-fils, quoi. Donc, on a 4 générations. Donc, si vous prenez 75, vous multipliez par 25, vous arrivez à 1875 années. D'accord? Et donc, maintenant, si vous prenez l'époque, la succession au trône de ce roi, Menpatira, Ramsès Ier, 1322, vous ajoutez les 1875 années, eh bien, on va arriver à 3197 avant l'ère chrétienne. Grosso modo, 3200. Et donc, tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, Ménès, il faut plutôt le situer en 3200 de façon mathématique plutôt qu'en l'an 3000. Mais évidemment, on veut raccourcir un petit peu l'histoire égyptienne pour faire en sorte que la Mésopotamie commence avant. Et donc là, il faut que nous, Kémites, avec ces éléments, on situe le pharaon en 3200 avant l'ère chrétienne. Donc, d'où l'importance d'être, de maîtriser la connaissance de notre propre culture et de notre propre histoire. Merci de préciser, merci. Parfait. Donc, maintenant, on peut passer au slide suivant. Donc, c'est le slide qui va permettre d'identifier Narmer à Ménès. Donc, ici, vous voyez, vous avez un certain nombre d'hiéroglyphes. Oui. Et donc, on peut commencer par où vous voulez. Si vous prenez aussi bien à droite qu'à gauche, c'est exactement la même chose. Donc, tout en haut, vous avez l'espèce d'échiquier. Après, vous avez les trois traits. Je vous l'avais montré la dernière fois. Oui. Donc, c'est le nom de Ménès. Sauf que là, il n'y a pas le A, le roseau fleuri. Donc, vous voyez, on peut l'écrire de deux façons différentes. Ensuite, plus bas, vous avez le faucon, Horus, qui se prononce Or, et qui signifie noble, donc c'est le titre des chefs. Et après, vous avez le nom, vous avez l'espèce d'écrevisse là, ou de poisson-chat selon certains, et vous avez le couteau. Alors, donc, juste avant d'aller plus loin, parce qu'il y a la question que je vois ici de Kevin Guada qui dit, mais pourquoi le poisson-chat? Ah ben, parce que c'est les Européens qui ont décidé que c'était un poisson-chat. Ah, ok, bon. Ouais. Voilà. Mais moi, bon, je vais vous démontrer que c'est pas un poisson-chat, justement. Ok. Allons-y. Donc, au niveau du squelette consonantique de ce nom, c'est NR. On a d'autres hiéroglyphes que j'aurais pu vous montrer, mais ça va durer plus longtemps que prévu. Et donc, NR, eux, ils vont le traduire par poisson-chat. Mais en fin de compte, NR, quand vous cherchez dans les langues africaines, notamment le soninké, vous avez le mot Nara, où le R devient L, comme en égyptien ancien, ce n'est pas un hasard, ou le mot Nala, qui signifie écrevisse. Donc voilà ce que c'est. Donc, eux, ils disent poisson-chat, nos langues disent que non, c'est tout simplement écrevisse. Mais, comme je vous avais dit, l'égyptien va utiliser des mots, un mot, pour ramener à un autre mot. Oui. C'est-à-dire, en gros, le poisson n'a rien à voir là-dedans, mais il est dessiné pour ramener un autre mot qui possède le même squelette consonantique, NR. Et le mot en question, c'est le mot nar ou ner, qui en copte signifie protéger. Ça a son importance, hein? Protéger. Mais en même temps que si vous allez en relève, vous avez le mot nur, N-U-R, vous voyez toujours le NR, ça signifie se mettre sous l'eau, être sous l'eau, comme un poisson, évidemment. Et le poisson, il se met sous l'eau pour se protéger aussi du pêcheur. D'accord? Et l'autre hiéroglyphe que vous avez, c'est un couteau. Donc, squelette consonantique MR. D'accord? Le MR, ça va renvoyer au mot mourou
qui signifie couteau en bamana. Notez les langues qui reviennent assez souvent, puisque ça peut, ça vous permet de savoir qui étaient les Égyptiens et où ils se trouvent. D'accord? Donc, on a le mot mourou qui signifie couteau. C'est bien un couteau qu'on a là, en bamana. On a le mot mourou qui signifie couper en soninké. Un couteau, ça sert à quoi? À couper. Voilà. On a le mot mourou aussi en soninké qui signifie prépuce, parce qu'on coupait les garçons, le prépuce. Donc, ça va signifier ça aussi. On a mourou qui signifie couper en oromo, qui est une langue parlée en Éthiopie, Kenya, on l'a vu. On a mour, M-U-R, coupé en dazénès. Dans d'autres langues sémitiques, enfin sémitiques, couchitiques, comme adiya ou asso, on a le même mot, mour qui signifie couper. Mais maintenant, ce couteau qu'on voit ici qui sert à couper va renvoyer un autre mot qui a le même squelette consonantique, M-R. Et c'est là que ça devient intéressant. En copte, on a le mot mer qui signifie digue pour l'embacardère. D'accord? Une digue. Donc, on a aussi en wolof le mot mar, M-A-R, qui signifie avoir soif, être assoiffé. Donc, c'est toujours en rapport avec l'eau. La digue est en rapport avec l'eau. Le porc aussi. D'accord? On a le mot mour en serreur qui signifie boire de l'eau avec la main. Le fait de boire de l'eau avec la main. En serreur, on va dire mour. Vous voyez? Toujours M-R. Et en yoruba, on a le mot miri qui signifie l'eau. Donc, je vous avais dit qu'Hérodote avait dit que Ménès, il avait protégé Memphis avec, à l'aide d'une digue. Protégé Memphis avec une digue. Ben, le mot narmer signifie tout simplement ça. Incroyable. Donc, son nom, c'est ce qu'il a fait. Il a protégé la ville. Donc, c'est ce que signifie narmer. Ce qui m'étonne quand même, c'est comment ça se fait que, là tu viens de démontrer qu'il ne s'agit pas d'un poisson-chat, mais d'autre chose, comment ça se fait qu'il y a autant d'erreurs? Ce sont des erreurs d'interprétation? Est-ce que c'est vraiment de... c'est purement des erreurs ou il y a quelque chose derrière ça? Mais comme j'ai dit, il faut étudier selon notre paradigme. Les Européens, bon, ils voient c'est un poisson, ben voilà, ça ressemble pour lui à un poisson-chat, un poisson électrique, ils vont mettre ça, tout simplement, il ne va pas chercher plus loin. Mais par contre, dans les langues africaines, quand on étudie selon nos paradigmes, on retrouve ce que c'est. Pareil, le couteau, ben, il va mettre que c'est un burin, tout simplement. Un burin? Oui, un burin. Alors que nos langues disent que c'est un couteau. Voilà. Ben, le burin, bon, ça sert à tailler la pierre. Quelque part, à couper la pierre aussi. Mais les langues africaines sont beaucoup plus précises. Et surtout, en plus, l'Égyptien, il employait quelque chose, un mot, qui renvoyait à autre chose. À autre chose, ok. Oui. Et donc, quand on le sait, quand on sait comment les Égyptiens procédaient, c'est comme si vous avez le code de la carte bleue ou la clé de la maison. Donc là, maintenant, on va passer au slide suivant. Alors, juste avant, là, tu viens de nous expliquer qu'en fait, le nom de Narmer, le nom lui est donné en fonction de ce qu'il a fait. Oui, son programme. Ok. Oui. C'était un bâtisseur, donc il a protégé la ville de Memphis par une digue. Et donc, c'est son nom. Narmer. Donc, vous avez appris des choses, les gars. On pense que le nom a été donné après avoir fait ça, quoi. Ah, évidemment. Ouais, un peu comme le boxeur, la paix à son âme, à son cas, Marvin Hagler. Donc, par rapport à son palmarès, on l'a appelé Marvelous. Oui. Tyson, on l'a appelé Iron Man. Par rapport à ses carreaux fulgurants. Donc lui, une fois qu'il avait protégé la ville, ben on l'a appelé Narmer. Ok, bon, et donc, vous apprenez des choses. Ouais, et donc certains égyptologues vous diront que Ménès, c'est son nom de naissance, ce qu'on va appeler Saré. Et Narmer, ce serait l'équivalent de ce qu'on appellera plus tard Nisutbiti, son nom de couronnement. D'accord? Ok. Donc le slide suivant. Ici, on a de face et de profil. C'est Petri qui l'a trouvé. Donc, c'est identifié à Narmer, Ménès. Donc, ça se trouve au Petri Museum de
of Egyptian Archaeology à Londres. Donc, ceux qui habitent Londres, ils peuvent visiter. C'est un calcaire. Et donc, comme je vous ai dit, Narmer, Ménès, il a bâti la ville de Memphis selon les prêtres égyptiens. Mais il faut savoir, quand ils disent qu'il a bâti la ville existait avant lui. Oui. Fin de compte, il a rénové. Mais dans D'accord. l'esprit des anciens, quand vous rénovez quelque chose qui est en ruine, on considère que vous êtes le bâtisseur. OK. D'accord? Donc, il faut le savoir. Et là où ça devient intéressant, c'est que le mot bâtir, fonder, créer, en égyptien, le squelette consonantique, c'est S-N-T. Donc, ça va donner le mot sainte ou sonte en copte, qui signifie fonder, bâtir, créer. Maintenant, on va voir les gens qui utilisent ce mot-là, les bâtisseurs. Ben, en Wolof, vous avez le mot sante. Sante, selon les régions, ça signifie fonder, bâtir, créer. En Poula, vous avez le mot sint, qui signifie fonder, bâtir, créer. C'est simplement des variantes du même mot, hein. En Soninké, vous avez le mot Sinti, qui signifie fonder, bâtir, créer. Je remarque que le Soninké revient assez souvent. Oui. Oui, c'est pas pour rien, puisque l'Égypte commence à Aswan. Aswan signifie les gens de Sonus, et Soninké signifie les gens d'Aswan. OK. D'accord? Et en Sérère, bon, le T devient D, donc ils ont le mot Sindi, qui signifie fonder, bâtir, créer. Ce qu'il faut savoir, le radical de ce mot, c'est S-E-N. Donc, ça fait le mot sen, qui signifie creuser en Bamana. Donc, quand vous allez bâtir, quand on va bâtir quelque chose, une maison, on va commencer par creuser pour aplanir le sol. Voyez? Ce mot-là, vous le retrouvez en Bamana. Ils ont aussi le mot séné, qui signifie l'agriculture, le fait de cultiver. Voyez? Donc, logiquement, je devais avoir là aujourd'hui le même chapeau que le pharaon. Enfin, c'est un bonnet, parce qu'on parle de couronne rouge, mais en fin de compte, c'est un bonnet. Vous voyez? Un peu comme c'est en rouge, je devais l'avoir. Parce que là, vous voyez, ben, j'ai un beau golan. Je profite pour faire la publicité pour Camisa On se Nana. voit pas très bien. Est-ce que Qui... tu peux essayer de se recentrer ta voilà. Voilà. Donc, je suis habillé par Camisa Nana avec un tissu africain, Bogolan. D'accord. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aussi aller sur sa page Facebook. Excellent. Voilà. Donc, là, on va passer au slide suivant. Une petite question, quand même, enfin une Oui. remarque du moins. Vous constatez, les amis, que on a ici le visage de Darbert Oui, représenté, mais il n'est pas en Afrique. oui. Non, non. Mais oui. Pour une civilisation qui n'est pas entrée dans l'histoire, selon certains, c'est quand même intéressant de trouver autant d'artefacts de notre histoire chez les autres. Oui, mais de toute façon, dans tous les musées européens, si vous enlevez tout ce qui vient d'Afrique, il n'y aura pas grand-chose, hein. Voilà. Voilà. Donc, le slide suivant. C'est parti. Ouais. Alors, qu'est-ce Là, qu'on a? bon, c'est la tête de massue du pharaon Narmer ou Ménès. Vous voyez? Donc, ça aussi, ça se trouve en Angleterre. Ah, Ça a été trouvé en 1898 par James Edward Keeble, donc à Héracopolis, c'est la ville de Neken. Bon, on va prononcer Neken, mais vous savez, le mot Nakané en soninké signifie le centre, OK. c'est-à-dire la capitale, quoi. Oh. Ça, encore, c'est pas un hasard. Le soninké revient encore à la charge. Donc, on va passer maintenant au slide suivant. Tu as ici un Voilà. commentaire, attends, avant qu'on aille un peu plus loin de Basic San qui dit il ressemble aux Olmecs. Mais les Olmecs, Oui. c'était des Africains hein, qui Oui, sont. tout à fait, tout à fait. Donc, actuellement, au musée Jacques Chirac, quai Branly, il y a une exposition sur les Olmecs. Je pense que c'est toujours d'actualité. Donc, là, maintenant, ça va être la partie un peu plus technique. Donc, j'espère que je ne vais pas perdre certaines personnes. Donc, là, vous voyez, c'est la tête de massue du pharaon Narmer. Donc, vous Voilà. l'avez à côté, comme on l'a vu, et ensuite, vous avez une représentation.
Donc, pour pouvoir lire, parce que vous savez, c'était comme des cylindres. Donc, on va dérouler. Et donc, un peu comme le globe, quoi. Hein, vous avez le globe. Et quand vous déroulez, vous avez les planètes, les continents. Et donc, on va partir. Vous voulez qu'on commence par la droite ou par la gauche? Commençons par la gauche. Par la gauche. La gauche, c'est-à-dire pour toi, c'est où par rapport à ton écran? Là où il y a les trois personnes. Oui, avec oui, oui. Bon, tout en haut, vous avez ce qu'on va appeler un CEREC, d'accord? Avec un faucon au-dessus. Oui. Donc, faut savoir que les premiers pharaons avaient ce faucon pour désigner leur nom dans un carré qu'on appelle le CEREC. S-R-K. Voyez, mais il faut savoir que le CEREC représente la façade d'un palais où habite le roi. Il faut savoir qu'en Haoussa, ils ont le mot Sarki qui signifie roi. Vous voyez, le même squelette consonantique. Parce que les Haoussa font partie des peuples de langue tchadique et ça aussi, on est dans ce que moi j'appelle le complexe nilo-saharien. C'est-à-dire des peuples depuis le Sahara jusqu'à la vallée du Nil. C'est le même peuple qui habitait et donc avec ses langues, ses mots dispersés un peu partout. Et donc, dans le CEREC, on a le nom d'un armeur. Juste en dessous, vous voyez trois personnages. C'est surtout le premier qui m'intéresse, oui. Avec des hiéroglyphes. Vous voyez l'espèce de U renversé. Et après, dessus, il y a une galette. Donc ça se prononce Tati, le T va devenir J, donc on va dire le mot Jati ou Jit en wolof qui signifie dirigeant. Mmh. Et en gros, c'est le premier ministre. Mais ce qu'il faut savoir, au niveau de ses cheveux, on voit que c'est une femme. Merci, je voulais... Ah, tu devances ma question, parce que en préparant cette émission, en faisant quelques recherches, je découvre, et tu me confirmeras ou pas, que Narmer, donc le premier roi de l'Égypte unifiée, il a pris comme l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui le premier ministre, une femme. Est-ce que tu confirmes? Oui, tout à fait. Parce qu'on est dans le domaine du matriarcat. Vous entendez, les amis? Ouais. Donc, le premier ministre de l'histoire de l'humanité était une femme. Était une femme. Et moi, j'irais même plus loin. Vous savez, par exemple, en Angleterre, il y a la reine d'Angleterre. Oui. Mais ce n'est pas elle qui dirige. C'est le premier ministre qui dirige. Oui. Et ben là, on est dans le même cas de figure. C'est-à-dire, le roi, il est là pour tout ce qui est cérémonie, pour faire les guerres. Mais c'est la femme qui dirige. Attends. Oulala, parce que là, tu balances des trucs. Ouf. Attends. Parce que celle-là, je ne m'y attendais pas. Attends. Les amis, j'espère que vous êtes accrochés parce que les chroniqueurs, accrochez-vous. Parce que là, il faut que tu répètes ça tout doucement pour que ça entre bien dans nos esprits parce que là, c'est fort. Oui. Alors, donc, c'est le premier ministre qui dirigeait. Le roi, il était là que pour tout ce qui est cérémonie, pour les guerres. Mais c'est elle qui dirigeait, tout simplement. D'accord? Wow. Là, juste devant cette femme, vous avez le pharaon Narmer ou Ménès, oui. Avec le bonnet rouge. C'est le bonnet du Nord, d'accord? Et au-dessus, vous voyez, il y a l'espèce de vautour. Oui. Bon, les égyptologues européens vont dire que c'est la déesse Nekeb. Tout simplement parce que c'est la divinité de la ville de Nekeb. Mais elle ne s'appelle pas Nekeb. Le vautour a deux noms en égyptien. Le vautour symbolise la mer. Et donc, c'est la déesse Mout. Il n'y a pas de déesse qu'on appelle Nekeb. Ça, c'est sorti de leur imagination. C'est la déesse Mout. Et Mout n'est autre que Isis. C'est une appellation d'Isis. Donc, si on lit plus tard, Mout, c'est Isis, c'est la mère. D'accord? Et donc, on voit le pharaon se place sous la protection d'une femme. Il a comme premier ministre une femme. Lui-même est protégé par une femme. D'accord? Et juste en face, vous avez un autre personnage. Vous voyez, c'est le dieu Ptah, le dieu de Memphis, le forgeron. Oui. Les Européens vont l'appeler Ptah, mais son vrai nom, c'est Pi
tag. Parce que tag, ça signifie forger, forgeron. C'est comme ça qu'on appelle le forgeron en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire en roll-off, en soninké, en poulard. Et pi, c'est l'article. Donc, pi tag, le forgeron. D'accord ? Et le grand forgeron, ça se dira Pythagore. Vous voyez ? Tout simplement. Attends. Oh là là là. Eh les amis, je sais pas, mais là... Attendez. Attends, ça, il faut que tu répètes ça parce que c'est très, très, très important. Le fameux théorème de Pythagore, appris à l'école partout dans le monde. Ça, il faut que tu répètes ça parce que c'est très, très important. Alors, ben, juste avant, on rappelle quand même que le roi Narmer avait, comment dirais-je, un rôle entre guillemets protocolaire, tu viens de l'expliquer, mais c'est le premier ministre, qui était donc une femme. C'est pour dire à quel point, et ça je vous l'avais déjà dit, mes chers amis, dans différentes émissions, que la femme africaine a toujours eu sa place dans la société avant les invasions. Je l'ai toujours dit. Donc là, tu viens d'expliquer effectivement que c'était son premier ministre qui gérait le quotidien. Ouais. Très bien. Maintenant, là, tu nous as parlé maintenant de Pythagore, du forgeron. Là, j'aimerais que tu nous réexpliques ça parce que ça, c'est fort. Ça, là, j'avoue, je découvre. Donc, vas-y, réexplique ça, s'il te plaît. Donc, le bonhomme qui est en face du pharaon, donc on dit c'est Ptah-Sokar, le méchant Sokar. D'accord ? Et son nom, normalement, c'est Teg, forgeron, dans les langues africaines. Donc, c'est le cas en Wolof, en Poular et en Soninké. Le pi, c'est l'article. Donc, pi ou pas. C'est suivant la région, certains vont dire pi, d'autres vont dire pas. Et donc, Pythag, c'est le forgeron. Et le grand forgeron, si on veut dire le grand forgeron, parce que sur la stèle de Chabaka, qui raconte justement la cosmogonie de Memphis, qui est le document qui raconte la cosmogonie de Memphis, ben, il est appelé Pythagore. D'accord ? Et donc, quand les Grecs vont passer, parce que je vous ai dit, c'est avec Psaméti qu'ils ont eu le droit d'apprendre, comme Hérodote, ils ont été au temple de Ptah à Memphis. Et c'est là qu'ils ont appris ce théorème de Pythagore, du grand forgeron, le dieu tutélaire de Memphis, le saint patron de Memphis. Laisse-moi réagir. Simplement. Laisse-moi réagir à ça, parce que c'est fort. C'est fort. C'est très, très fort. Parce que tu vois... Il a fallu attendre toutes ces années que j'organise une émission que tu viennes pour découvrir. Je savais que Pythagore, effectivement, était allé... Il n'a jamais existé. Alors, oui. Pythagore. Ah, merci, parce que... Merci. Parce que j'avais entendu dire qu'effectivement, il y a des gens qui pensent, enfin des historiens qui pensent qu'en fait, que Pythagore n'a même jamais existé. Non, Pythagore n'a jamais existé. C'est beaucoup plus tard, pour expliquer ce plagiat, on va inventer le Pythagore en question. Il y a beaucoup de personnages comme ça qui n'ont jamais existé. Ouh, c'est fort! Attendez, les amis, excuse-moi, deux petites secondes, on va continuer notre émission, mais là, je voudrais faire réagir le public, parce que je sais pas pourquoi je vous sens un peu, je vous sens pas réagir dans le chat, je vous vois pas. Là, dites-moi, les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire à l'instant, là? J'aimerais avoir une réaction, quelque chose, parce que là, franchement, c'est vraiment fort. Il a fallu attendre toutes ces années. Bon, j'aurais peut-être dû lire un peu plus aussi, c'est mea culpa. Mais là, les amis, j'aimerais avoir une réaction de votre part, parce que franchement, je découvre des choses, c'est très, très, très intéressant. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne nous dira jamais à l'école, évidemment, en Occident. Donc, j'aimerais avoir une petite réaction de votre part, les amis, de ce que vous venez d'entendre. Un, donc vous le savez, au cas où vous ne le saviez pas, les femmes en Afrique ont toujours eu leur place, plus qu'on ne le croit, c'était avant les invasions. De deux, on vient de découvrir l'origine du nom Pythagore. Et de trois, Pythagore n'aurait jamais existé. Là, il me faut une réaction de votre part, les amis. Là, je veux voir des réactions de votre part. S'il vous plaît, réagissez à ça. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Les historiens ils disent que ce qui a existé, c'est une école qu'on va appeler l'école pythagoricienne. Pythagore. Ouais, à l'époque ptolémaïque. Mais Pythagore lui-même, il n'a jamais existé. Ouais, ben dis donc. Ouais. Donc ça, là, j'avais entendu parler, mais ok, on continue. Là, comme je vous ai dit, bon, les Européens, c'est-à-dire Diodore de Sicile et Hérodote, ils n'ont pas beaucoup écrit sur Narmer, mais là, on est en train, par rapport à ce que nos ancêtres, eux, ils ont écrit. Et vous voyez, rien qu'avec cette tête de massue, tout ce qu'on est en train d'apprendre. C'est dingue, oui. Là, on va continuer la lecture. Vous avez tout en haut.
vous avez quatre porte-étendards. Oui. D'accord? Donc, on va commencer par le premier. C'est-à-dire, vous avez, c'est ce qu'on va appeler un chien sur un porte-étendard. Oui. Donc, c'est Anubis, c'est Upuahu, peu importe que, comment vous l'appelez, c'est un chien noir. Et donc, ce chien noir, son nom, je l'avais expliqué, en fin de compte, se prononce Nibo. Nib. Et son nom a une signification. Par exemple, dans le vaudou, il y a ce qu'on appelle le Gede Nibo, vous voyez, qui est responsable du monde des morts. Ben, c'est lui que vous voyez ici, 3200 avant l'ère chrétienne. Et donc, la mort chez les Égyptiens, c'est l'ouest. D'accord? L'ouest va symboliser la mort. D'ailleurs, on l'appelle la menti, le couchant. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'ouest le couchant. Ensuite, vous avez un deuxième porte-étendard. C'est un placenta. Le placenta va symboliser le lieu de naissance. Absolument. On était tous dans un placenta. Donc, ça va symboliser l'ess. Et après, vous avez deux faucons. Animal terrestre et céleste. Donc, ça va représenter le haut et le bas. C'est-à-dire le nord et le sud. Donc, vous avez là représenté les quatre points cardinaux. Ça veut dire que le pharaon, il règne aussi bien à droite, à gauche, au nord, au sud. Et on a vu qu'il avait mené une expédition militaire en Canaan. Oui. Donc, il est parti du sud, il a conquéri le nord, il a aussi les à l'ouest et à l'est. Donc, il a mené les guerres dans les quatre directions, quatre points cardinaux, et il a soumis tous ses peuples. Donc, c'est le maître. D'accord? Est-ce que ça veut dire symboliquement, effectivement, c'est lui qui, comme ça symbolise les quatre points cardinaux, donc toutes les directions, donc il est le maître absolu de la terre en question. C'est ça que ça veut dire à peu près? Bien sûr, bien sûr. Wow. Et donc, ce pharaon, ce n'est pas n'importe qui. On va continuer l'aventure un peu plus à droite. Vous avez ce qu'on va appeler le phénix. C'est un animal, donc son nom c'est Bono. Bone. Donc, le phénix, d'après la tradition, va représenter la période zodiaque dont je vous ai parlé. Il y a Tacite qui le dit, que la durée de vie du phénix était de 1460 ans. Donc, ça représente une ère. Parce que les Égyptiens disaient, au bout de 1460 ans, tous les éléments retrouvaient leur place initiale. C'est-à-dire, on prenait tous les 4 ans un jour de retard, et au bout de 1461e année, c'est-à-dire on passait 1460 années, l'année suivante, tout repartait à zéro. Donc, c'est ça qu'ils appelaient une ère nouvelle. D'accord? Et en face, vous avez un bâton. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore déchiffré ce que ça peut signifier. Après, vous avez un vase avec de l'eau. Donc, ce sera une table d'offrande. Et c'est en rapport avec la crue du Nil, qui apporte la bénédiction et justement qui est le point de départ du calendrier égyptien. Maintenant, on va passer un peu plus compliqué. Bon, en bas, donc vous avez un bonhomme qui est attaché, les bras derrière. Oui. Vous voyez? Donc, ce mot-là se prononce Komo. Ça vient d'un mot Kum qui signifie attaché, ligoté. Donc, on va traduire ça aussi par esclave, si vous voulez. C'est-à-dire, chez les Soninké, la société est dirigée en trois étapes. Donc, en haut, vous avez Oro, les nobles. Au milieu, vous avez les Nyamakala, c'est-à-dire les gens, les artisans indépendants, travailleurs indépendants. Et tout en bas, vous avez les serviteurs, les Komo, les gens qui ont été prisonniers de guerre, etc. Les Européens vont traduire par esclave. D'accord? Et donc, après, vous avez un certain nombre de hiéroglyphes. Vous avez, par exemple, le tétard. Vous voyez, il y a un tétard. Et après, vous avez deux doigts, deux index. Ça, c'est de la comptabilité. D'accord? Donc, généralement, les Européens, le tétard, ils vont dire que c'est le mot « afen ». Et que normalement, ça signifie 100 000. Mais en égyptien et en copte, normalement, ça se dit « shenso ».
c'est-à-dire mot à mot, shen, she, c'est 100, en, c'est pas, sho, 1000. Donc, 100 par 1000, c'est 100 000. Donc, si vous prenez une calculatrice, vous faites 100 par 1000, c'est 100 000. Donc, étymologiquement, shanso, 100 000. D'accord? Et les deux doigts que vous avez, c'est 10 bas, c'est 10 000. D'accord? Donc, si on lit, le mot, c'est komo, shenso, sino, ndiba. En langue pharaonique et en copte, ça signifie 120 000. Donc, il a fait 120 000 prisonniers lors de ces guerres. Quand même. Quand même. Hein? Et pas rien. Ah, c'est pas rien. Ensuite, vous continuez, vous avez une chèvre. Vous voyez? Oui. Ça se dit ba. On retrouve ça dans beaucoup de langues, comme en Bamana, comme en Wolof aussi. C'est la chèvre. Ba, bé, par rapport à son cri. Vous voyez? Bé. Donc, c'est la chèvre. Et là, vous avez un bonhomme, les bras en l'air. Vous voyez? Oui. Donc, les Européens vont dire que c'est hé, mais en égyptien et en copte, c'est shonso, 1000 par 1000. Donc, ça fait 1 million. D'accord? Ensuite, vous avez des 4 têtards. D'accord? Le chiffre 4, c'est Fatou. Donc, ça va se prononcer Fatou Shenso. 400 000. Excuse-moi de te couper. C'est... Oui? Fatou, c'est un prénom. C'est un prénom, mais c'est aussi un chiffre. Mais Fatou, le prénom, ça vient de Fatimata, d'après certains. Ah, okay. Fatimatou. Ouais. Ah, okay, okay. Mais okay. Fatou, Fadou, Fatou, Ftou, tous ces mots-là, ça, c'est le chiffre 4, aussi bien en copte que dans les langues tchadiques. D'accord. C'est le même chiffre. Donc, Shenso, c'est étymologiquement 100 par 1000. Okay. Donc, 100 000. Donc, avec Fatou, Fadou, c'est 400 000. D'accord? Après, vous avez encore les index. Il y en a deux. Donc, ça fait sinou. Sinou, c'est le chiffre 2. C'est du sémitique. Hein? Donc, dans les langues sémitiques, pour dire 2, on va dire sinou. D'accord? Ça vient parce que je vous avais dit que depuis la période de Nagada, les sémites sont arrivés en Égypte, les Mésopotamiens. Et donc, tout à fait normal, les Égyptiens vont utiliser des mots de leur langue. D'accord? C'est un peu comme si vous prenez le Swahili. Il y a des chiffres arabes dedans. Oui. D'accord? Et donc, après, vous avez les lotus. Donc, le mot lotus, c'est le mot sceau. Mais les Européens vont dire ka ou ra. Et donc, ça représente 1000. Il y en a deux, donc c'est 2000. Donc, ce qui nous fait un total de 1 422 000. C'est ce qui est marqué ici. Donc, de chèvres. Donc, plus de 120 000 prisonniers, 1 million de chèvres. Oui. Quel butin. Quel butin, ouais, il n'a pas fini. Après, vous avez l'autre avec un taureau. C'est le mot K. Mmh. Et là, vous avez 4 têtards. Donc, je vous avais dit que chaque têtard représente 100 000. Donc, il y en a 4, ça fait 400 000 taureaux qu'il a ramenés comme butin. Donc, je vous laisse voir la richesse de l'Empire. 400 000 taureaux, 120 000 taureaux, 1 million de... 1 422 000 chèvres et 400 000 taureaux et 120 000 prisonniers. D'où ma question de début, hein, j'insiste. Mmh. Comment se fait-il? Parce que je constate qu'avec un seul document, nous donne beaucoup d'informations concernant ce roi. Alors, comment se fait-il qu'on n'en parle pas plus que ça? D'autant plus qu'il est considéré comme le père fondateur de l'Empire égyptien tel qu'on l'a connu. Et on n'en parle pas. On fait comme si ce type n'avait rien fait, rien réalisé. Non, alors, non. On vient de découvrir qu'il a fait des choses énormes. Énormes, extraordinaires. Et donc, même Diodore de Sicile disait que c'est un législateur. Donc, il a donné la maths. En plus. On va voir. Il a donné la maths. Et donc, et ça explique pourquoi il a respecté aussi. Hein? Parce que la maths, ce n'est pas simplement faire le bien. Il faut couper les têtes quand c'est nécessaire. Hein, pour ses amis. Alors, attends. Justement, bouge pas deux petites secondes. Les amis. Vous voyez là, c'est du lourd que Pierre n'arrête pas de jeter. Du cadeau, des cadeaux, des cadeaux. Alors, surtout, les amis. Soyez généreux, vous, de votre part aussi. Likez, s'il vous plaît. Mm-hmm. Partagez.
abonnez-vous à la chaîne, c'est très très important. Et surtout, allez rendre visite à la chaîne de Pierre. Allez sur YouTube, sur la chaîne de Pierre Dillon, qui porte son nom. Allez sur sa page Facebook aussi de Pierre Dillon et soutenez le travail de ce frère, parce que franchement là, il jette des cadeaux, tiens, tiens, prends, hein, vous êtes des gourmands, vous prenez, mais il faut donner aussi. Et là, on va aborder un truc très, très important, mais je te laisse continuer. Et quand je dis qu'il a respecté la maths, on a vu que son premier ministre, qui a plein pouvoir, c'était une femme. Oui. Donc là, c'est respecté, vous voyez, la maths. Parce que nous, dans la communauté, il faut le dire, beaucoup de frères, ils n'ont que ce mot-là à la bouche, mais ils sont dans le patriarcat. C'est-à-dire, ils ont du mal à supporter d'être commandés par une femme. Quand ils font des conférences, sous 10 conférenciers, il y a 9 hommes, il y a une femme. Soit c'est la sœur Amamazama, soit c'est une autre sœur. Mais il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Donc, la parité, la maths n'est pas respectée déjà dans nos propres conférences. Donc, il faudrait moitié-moitié, un peu comme ce qui se passe au Rwanda. Vous voyez, au Rwanda, au niveau du gouvernement, la parité homme-femme est respectée. Là, on peut parler de maths. Mais quand c'est les hommes noirs qui ont été colonisés, qui sont dans le patriarcat, qui viennent et qui vous parlent de la maths et les sœurs brillent par leur absence, on n'est pas dans la maths. Laisse-moi te donner une réaction rapide. Donc, là, on va passer au slide suivant. Voilà, là, c'est la fameuse palette de Narmer. Donc ici, vous l'avez, mais bon, comme on ne voit pas très bien, donc j'ai fait un autre slide qui vous permettra de voir peut-être un peu mieux. Parce que quand c'est un dessin, c'est plus visible. Donc ce slide, la palette de Narmer se trouve au musée égyptien. Donc c'est celui qui avait trouvé aussi la massue de Narmer en 1898, c'est-à-dire James Edward Keeble qui l'a trouvé. Toujours au même endroit. D'accord? Oui. Et là aussi, on va pouvoir aussi lire des documents. Permets-moi de te Oui. Seconde, j'ai une question ici que je vais afficher juste avant. Est-ce qu'on connaît le nom de cette femme, premier ministre? Non, on ne connaît pas. Il y en a qui disent que peut-être elle s'appelait tout simplement Tati ou Jati et que son nom aurait désigné la fonction. Vous voyez? Oh. Un peu comme César. D'accord. Mais ce n'est pas une certitude. D'accord. Très bien, parfait, voilà. Parfait. Je te laisse continuer. D'accord. Donc ici, on a la palette recto verso. Donc là aussi, on va faire une lecture. Vous voulez qu'on commence par quel endroit? On va commencer par la gauche, celle où on voit Darbert tenir la massue. Voilà. Ben ici, quand vous regardez, tout en haut, vous avez une vache avec les cornes. Oui. Donc c'est la déesse Bat qui est une ancienne forme de la déesse Hathor. Okay. Vous voyez, donc ça veut dire que, aussi bien recto verso, il se met encore sous la protection d'une déesse. Uh-huh. Une déesse. La déesse mère. Pas un dieu, une déesse. Au milieu, vous avez son nom qu'on a vu, Narmer. D'accord? Et vous le voyez avec la couronne du sud. Enfin, on dit la couronne, le bonnet du sud. Oui. Ouais, le bonnet blanc, là, on va dire la couronne blanche. Dans la main, il tient la massue dont on vient de faire la lecture, la tête de massue qu'on a retrouvée. Donc, c'est dessus qu'il y a tout ce qu'on a vu tout à l'heure, là. Vous voyez? En bas, vous avez comment on pourrait appeler un membre du gouvernement, un serviteur qui porte ses chaussures parce qu'il est pieds nus. Oui. Vous voyez? On dit parce que, comme c'est un truc rituel, il est en train de faire un rituel qui est la mise à mort de l'ennemi. Oui. Donc, pour tout ce qui est cérémonie religieuse, on enlève ses chaussures. Vous voyez? C'est, par exemple, pour rentrer dans une mosquée, les gens, ils enlèvent les chaussures. Ça vient là. Moïse, quand il allait sur la montagne, on lui a dit, enlève tes chaussures parce que là, tu es, c'est un lieu saint. Donc, il enlève ses chaussures pour accomplir un rituel, la mise à mort de l'ennemi. Vous voyez, il l'attrape par les cheveux. L'ennemi en question, c'est un sémite. Parce que je vous ai dit qu'il a été jusqu'en Canaan, donc il a fait des prisonniers. Et d'ailleurs, vous voyez, Horus, le faucon qui tient par les narines comme une corde, il tient un sémite avec comme un bateau, avec les...
les feuilles là, donc ça représente le nord. Donc c'est un nordiste, quelqu'un qui vient du nord. Oui, oui. En dessous, vous avez deux hiéroglyphes. Il y a le harpon qui se prononce roi. Et après, vous avez le bassin d'eau qui se prononce chat. Donc ça se prononce roi chat. Donc on ne sait pas si c'est le nom du roi en question ou si c'est le nom d'une tribu. Mais on pense plutôt que c'est le nom d'une tribu. D'accord. Et tout en bas, vous avez d'autres prisonniers aussi. Voilà la lecture. De l'autre côté, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus riche, parce que là, c'était sur deux registres, tandis que là, c'est sur trois registres. Ben, vous avez toujours l'entête qui est pareille. Mais après, vous avez, si on va prendre de l'autre côté, vous avez toujours celui qui porte les chaussures du pharaon, qui est pieds nus. Donc, on le voit avec, cette fois-ci, la couronne ou le bonnet rouge qui symbolise le nord. Oui, oui, oui. Il est parti du sud et vers le nord. Il y a son nom juste devant. Vous voyez, l'écrevisse et le couteau, Narmer. Vous avez encore la femme qui est devant lui, oui, représentée devant le roi. Pas derrière, mais devant. Premier ministre. Vous avez encore les quatre porte-étendards qu'on a vus. Vous les retrouvez aussi sous ce document qui symbolise l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Et après, vous avez toute une rangée de prisonniers, deux rangées, décapités. On rigolait pas, hein? Ah oui, effectivement. Et entre les jambes, il y a leur tête posée. Donc, vous voyez, Daesh n'a rien inventé, hein? Voilà comment, à l'époque, on traitait les ennemis. Voilà. Au milieu, vous avez deux bonhommes qui tiennent chacun bon, un peu comme une girafe, comme l'espèce de chien ou un animal hybride. Vous voyez ? Oui, oui. Il y en a un qui, ils sont entrelacés et chacun tient son animal par le cou avec une corde. Ben ça, c'est la première représentation de ce qu'on va appeler le schéma Tawi, l'union du sud et le nord, l'unification. Le mot même se prononce « somtou », parce que schéma Tawi, ça, c'est les Européens. D'accord. Mais en copte, par exemple, quand il y a une représentation de russe qui s'appelle « Osomtou », qui signifie « Dieu maîtrise, Horus maîtrise les deux terres ».« Som » en copte signifie « maîtriser, dompter ». Tu vois, comme un dompteur. C'est pour ça que là, on voit le dompteur, il maîtrise l'animal. D'accord. Il a beau être grand, avoir un long cou, il est maîtrisé. Ouais. Et Tohu signifie les terres. D'accord. Et tout en bas, vous avez un taureau qui défonce une ville, qui prend la ville, parce que bon, là, les murailles sont à plat. Oui. Ce taureau représente aussi Narmer. Et là, ben, le taureau présenté comme ça, les égyptologues l'appellent Ka-Nekhter. Nektar qui signifie victorieux, le taureau victorieux. Mais lui-même, c'est le fils de la déesse qu'on a vue en haut. Qu'on a vue en haut sur... OK, tout en haut, là. Hathor ou Bat. Donc, c'est son enfant. Au niveau spirituel, c'est son fils, dont le pharaon est déjà se présente comme étant... d'aisance divine. C'est pour ça qu'on va l'appeler Kamoutef, le taureau de sa mère, en égyptien. Oui. Vous voyez ? Très, très, très intéressant. Ouais. Mais c'est quand même incroyable parce que tu vois, quand on sait lire ce que tu nous montres, effectivement, ouais, c'est riche en informations. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut voir, c'est au niveau tout en haut, là où il y a les prisonniers qui sont décapités. On a des hiéroglyphes avec une porte, avec un faucon. Donc, ça s'appelle la porte d'Horus. La porte donc, d'Horus. On dit que ça symbolise l'ouest, l'est, le levant, justement, quand vous allez vers la Palestine. D'accord ? Donc, apparemment, c'est des sémites qui sont décapités. Et après, vous avez un autre faucon avec un harpon. Donc, on dit que c'est une province non du harpon. Vous voyez ? Donc, il y avait, par exemple, le septième qui est occidental et huitième qui serait la région orientale, qui est justement la non du harpon.
Donc voilà ce qu'on peut retirer de la lecture de ces deux documents sur Narmer. Donc on va passer au slide suivant. Alors. Ici, on est sur le trône de Khéphren. Vous voyez ? Et donc là, voilà comment à cette époque, on est vers, d'après les égyptologues, 2570 avant l'ère chrétienne. D'après mes propres calculs, parce que moi aussi, bon, on fait de l'histoire, il ne faut pas répéter ce que les autres disent, donc il faut prendre sa calculatrice, il faut additionner, il faut comparer, établir une chronologie des événements. Et donc pour moi, Khéphren, c'est plutôt 2625. Parce que moi, je place Djoser en 2782. Il y a des raisons à ça, notamment par rapport au phénomène astrologique. D'accord ? Et donc, sur son trône, on a la représentation du schéma Tawi à cette époque. Vous voyez ? Ça a changé par rapport à l'époque de Narmer. Mais c'est toujours le même symbolisme. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que c'est représenté. Le slide suivant. Voilà. Donc, on a pratiquement fini les slides. Donc là, c'est à l'époque de Sésostris. Donc, on a son cartouche, là, vous voyez, avec son nom. Oui. Senwassar. Wassar, qui est déjà un mot qu'on retrouve aussi bien en Wolof, en Bambara, en Poular, en Serer. Et c'est aussi un prénom chez les Serer. D'accord ? Wassar. Oui. Et Sen, c'est aussi un nom chez les Serer. Donc, quand vous lisez Senwassar, on est chez les Serer du Sénégal. Après, ben là, vous avez toute une série de notations. Vous avez, par exemple, Horus, vous le voyez, il symbolise le sud, parce que c'est, on dirait, le saint protecteur, la divinité du sud. Et Seth symbolise le nord. OK. Bon, chacun tient la fleur de l'autre. C'est-à-dire, en gros, Horus va maîtriser, va dompter Seth, mais Seth aussi va dompter Horus pour qu'il y ait l'équilibre. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Okay. Donc là, ils sont en train de réaliser la math. Il y a le schéma Tawi, mais en même temps, il y a la math. Et donc, vous avez toute une série de hiéroglyphes. Par exemple, à l'encontre d'Horus, c'est-à-dire la partie où il y a Horus, il y a des inscriptions, il y a marqué « Son maître donne la vie, la stabilité, la joie, le grand dieu du sud. » Vous voyez ? Et du côté de Seth, il y a marqué « Son maître donne la vie, la stabilité. » Il est originaire de la ville de Nubie, le maître des terres du sud. Vous voyez ? Donc, c'est ce qui est marqué ici. Donc, on sait que Horus, il vient de Patros. On retrouve ça dans la Bible. Pierre ? Pierre, on t'a perdu. On t'a perdu. Pierre ? Pierre, je ne t'entends plus. Pierre, ça a coupé, on ne t'entend plus. Pierre ? Les amis, est-ce que vous entendez Pierre ? Parce que moi, je l'entends plus. Dites-moi, mes chers chroniqueurs, est-ce que vous entendez Pierre ? Est-ce que vous le voyez ? Moi, j'entends plus Pierre, je ne le vois plus, il est gelé. Pierre ? Ah, Pierre est parti. Mais Pierre va revenir. Donnez-nous un petit instant, les amis. Petit problème technique, ça arrive. On va laisser Pierre revenir. On fait une petite pause rapide, on revient juste après ça. Je suis là. Je
retour avec Pierre. On a eu un petit problème technique, mais Pierre, ça a coupé quand tu nous expliquais un petit peu le fait que Horus et Seth s'équilibraient, puis après, on t'a un peu perdu. Oui, je disais, ça s'équilibrait, donc il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Donc, ils réalisent l'équilibre, l'union, ils ont dompté, l'un a adopté l'autre, a maîtrisé. Donc là, ils réalisent l'équilibre entre les deux, le nord et le sud. Donc, c'est la math. Vous voyez ? Et j'ai une question à te poser par rapport à la math. Parce qu'effectivement, tu as soulevé un point qui est épineux, mais ô combien intéressant. La math, oui, alors équilibre, justice, etc., etc. Pardon aussi, peut-être, il faut savoir pardonner, certainement. Mais tu as dit quelque chose d'important, il ne faut pas hésiter aussi à couper les têtes quand c'est nécessaire. Bien sûr. Et j'ai l'impression, pourquoi je te dis ça ? Parce que ça me rappelle une conversation que j'ai eue ailleurs. J'ai comme l'impression que parfois, on oublie que parfois aussi, il faut savoir sévir. Bien sûr. C'est comme ça. Parce que sinon, vous ne réalisez pas la maths. Si vous laissez des gens nuisibles pour la société, donc c'est comme ça. Dans la nature même, vous voyez, les animaux, il y a des proies, des prédateurs. Et il faut ça pour l'écosystème aussi. Même au niveau, par exemple, les moustiques, tout est à son importance. Et chaque espèce a son prédateur. Donc, il faut... C'est la vie, quoi. Il faut qu'il y ait des morts, des vivants, etc. Le but, c'est l'équilibre. Parfait. Merci, en tout cas, d'apporter cette précision. Alors, j'espère, les amis, que vous comprenez un peu le message. Hein. C'est bien de... L'équilibre, ben, ça nécessite parfois de faire des choses... radical, faut savoir aussi. Oui, il y a des choses qui nous choquent parce que bon, on a été formaté par rapport aux religions, c'est mythocentrique. Mais bon, si vous voyez, j'ai vu une fois sur les réseaux sociaux, il y avait un lion qui donnait la chasse à la gazelle et la gazelle priait Dieu en disant sauve-moi. Et le lion aussi priait Dieu en disant donne-moi à manger. Voilà. Voilà. Qui Dieu va favoriser du coup? Ah oui, il prie le même Dieu. Voilà. Ouais. Parfait. Donc, on va passer au slide suivant. Je crois que ça doit être le dernier. Voilà. Là, c'est toujours à l'époque de Sésotrie. Vous voyez ? Là, son nom, parce qu'il y a plusieurs noms, comme les pharaons. Donc, on voit son nom noté autrement. Et là, on a aussi la même représentation. On a d'un côté Seth qui représente le nord et Horus qui représente le sud. Et donc là, ils réalisent l'union des deux terres et la math. Et donc, on a exactement, pratiquement la même chose. À l'encontre d'Horus, c'est marqué « Son maître donne la vie, la stabilité, joie, le grand Dieu, le maître d'en haut. » Et à l'encontre de Seth, il est dit « Son maître donne la vie, la stabilité, la joie, le maître de la terre du sud. » Voilà. Donc, chacun a sa mission. C'est vraiment une balance, il faut les deux plateaux. Oui. C'est comme une pièce de monnaie, il y a pile et face. Vous ne pouvez pas les séparer. Effectivement. Ouais. Donc, c'est à nous de retourner dans notre paradigme et savoir que ben, quand il faut frapper, il faut frapper. Ça valait voilà. Beaucoup d'être dit et répété. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme un enfant, si vous voulez le dompter, il ne faut pas hésiter, c'est votre enfant, il fait une bêtise, il faut taper, il ne faut pas tabasser. Il y a une différence, hein? Bien sûr. D'accord, entre corriger un enfant et tabasser un enfant, il y a une grande différence. Absolument. Et il faut toujours expliquer, il faut faire de la pédagogie. Donc, il faut donner un avertissement, deux avertissements, mais vous n'allez pas passer votre temps à parler et répéter 150 fois la même chose à un enfant. À un certain moment, il faut passer à l'acte. Donc, nous, peuple noir, c'est la même chose. On ne va pas faire des marches toute notre vie. Ça fait 2000 ans qu'on nous fait marcher. Donc, à un certain moment, il va falloir passer aux choses sérieuses aussi si on veut avoir notre indépendance. Voilà. Les habits. You're gonna learn today. Est-ce que vous entendez? You're gonna learn today. Mais vous savez, les autres ont fait la même chose. Par exemple, je prends les Algériens que j'apprécie comme peuple. Ils n'ont pas fait des marches vitam aeternam hein, pour se débarrasser de la France. Ils ont pris les armes. Ceux qui étaient ici, ils ont financé des mouvements là-bas, ils ont pris les armes. Mais les Français même, qui ont posé des problèmes aux Algériens, quand ils ont été colonisés par les Allemands, ils n'ont pas fait des marches à la Bastille ou à la Nation ou à la République. Hein. De Gaulle, il s'est enfui, il a fait l'appel du 18 juin, et voilà, ils ont été chercher nos parents, et ils ont fait des guerres. Exact. C'est pas avec traque et banderole en marchant que les Allemands seraient partis, hein, ils le savent.
Ça, je discute avec des amis de tous bords, ils me disent, mais c'est la logique. Donc, il n'y a que nous. On nous a abrutis, donc on pense qu'on va avoir quelque chose en faisant des manifestations qui se terminent en balboudin. Les amis, vous avez vu un peu, mes chers chroniqueurs, tout le savoir qu'on vous envoie, ça mérite qu'à bien au moins ça. On revient juste après ça. Bougez pas. Et oui, les amis, n'oubliez pas, il faut liker, il faut partager, il faut vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et commentez, n'hésitez pas, on va prolonger le débat et cette conversation une fois qu'elle sera terminée dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter, échanger entre vous. Évidemment, inutile de vous dire de rester courtois et bienveillant, cela va de soi. Alors, on va continuer notre conversation avec Pierre par rapport à Anne Oui. Arber. Je crois qu'il y a d'autres slides, je crois. Attends, je vais voir. Non, je sais pas, je pense que c'était Ah, tout. t'as Oui, raison, c'était le dernier c'était slide. tout, parce que j'avais prévu 2 heures. Et donc, j'avais prévu qu'il y aurait eu des personnes qui posent des questions comme la dernière fois. Effectivement. Alors, les Et amis, donc, oui, j'ai une petite question qui va revenir. oui. Attends, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Est-ce que, voilà, c'est cette question qui de Dimitri qui demande, est-ce que c'est de Narmer le taureau que vient l'histoire de Zeus et de Herp, la fille du roi de Tyr? Ça, franchement, je pourrais pas vous répondre parce que j'ai pas fait de recherche là-dessus. Vous savez, l'histoire, c'est tellement vaste. Donc, je suis pas du genre à avancer des choses que j'ai pas étudiées. Par contre, pour ce que je sais, c'est au niveau du nom de Oui. Europe que ça viendrait de la sœur de Cadmos qui s'appelait comme ça. Mais le nom a une signification aussi parce que vous savez, donc. Il y a Cadmos, le mot Cadmos, c'est un nom qui s'explique par rapport aux langues sémitiques. Donc, ça signifie ce qui est devant, Kedem, d'accord? Et vous avez le mot Europe, ça vient des langues sémitiques Horeb, qu'on parle dans la Bible, Horeb, qu'on va prendre le mot Maghreb, Oh. d'accord? Ma signifie, même en copte, le mot ma signifie l'endroit. Par exemple, quand on dit Mamissi, c'est l'endroit qui on donne la naissance, c'est-à-dire c'est une maternité. D'accord? Et donc, D'accord. Maghreb signifie le lieu du couchant. C'est ce que ça signifie tout simplement. Et donc, le nom de Europe signifie l'Occident, le couchant. Et Cadmos, c'est ce qui est devant. Vous voyez? Donc, ça vient des langues sémitiques, ça signifie tout simplement le levant et le couchant. Voilà. On en apprend tous les jours. Et c'est Dès pour ça Pierre qu'on vient. dit que Europe était noire, c'est pas que forcément qu'elle était noire, parce que je vous ai dit le couchant, c'est la nuit. Donc tout à l'heure, on Ah. l'a vu avec le mot nib en sérère, en wolof, tout ça en poular, ça signifie sombre, comme la nuit, quoi, sombre, ténèbres. Et donc, Horeb signifie tout simplement le couchant. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle était noire. Mais ça ne signifie pas que c'était une femme noire. Ça, c'est les gens qui font des raccourcis, tout simplement, parce que c'est des gens qui venaient du Liban, la Phénicie. Et donc, les Carthaginois sont leurs descendants. Ok. Donc, Donc, ok, je comprends, je comprends. Parce qu'effectivement, hein, j'ai entendu dire que les premiers habitants de l'Europe étaient des Africains, des Noirs. Donc, oui. ah oui. Mais je parle du nom, hein. Mais Ah, du nom, évidemment, du nom. les premiers habitants des 5 continents étaient des Noirs. Parce que si vous prenez la dernière fois, j'avais expliqué par rapport à l'Homo erectus qui quitte l'Afrique il y a 2 millions d'années Oui. pour arriver en Europe, en Asie. Donc forcément, il était noir. Et après, j'avais expliqué la thèse. Pour moi, il n'y a pas de sortie d'Afrique. Il y a une sortie avec l'Homo erectus. Et il va y avoir ce qu'on appelle sapientisation, c'est-à-dire sur place, chaque Homo erectus va se transformer pour donner l'Homo sapiens. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Les amis, je viens d'ouvrir la ligue, donc n'hésitez pas, activez vos caméras et venez discuter avec notre invité, venez lui poser des questions, évidemment, sur le roi Narmer et un peu plus généralement sur l'Égypte antique. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer ce livre sur Hérodote, vraiment j'insiste, allez-y. Hérodote, le livre s'appelle Histoire. Je vous ai mis le lien dans la barre de description de la vidéo. Et puis, j'ai découvert, j'ai pas eu le temps malheureusement de me le procurer moi-même,
Mais j'ai confiance. Attendez, je vais vous montrer par l'écran. J'ai découvert. Tiens. Ce que je voudrais dire aussi, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre les Medunéter. Apprenez, les amis. Oui. C'est... Oui. Parce que là, vous pouvez avoir accès, vous avez le document et vous n'avez pas besoin d'Européens pour lire ce que vos ancêtres vous ont écrit. Et donc, Bravo. après vos, dans notre paradigme, vous pouvez tout interpréter, tout comprendre. Parce que chaque chose s'explique. Vous savez, même l'histoire du chien, le placenta qui donne naissance, par exemple, aux Antilles, il y avait un rituel qu'on faisait à l'époque. Oui. C'est-à-dire, on enterrait le placenta et on disait qu'il fallait l'enterrer suffisamment profond dans la terre pour empêcher qu'un chien puisse aller fouiller et manger le dans le Guédé Nibo, dans le Vaudou, c'est lié avec le domaine de la mort. D'accord? Et le placenta, c'est la naissance. Donc, on disait que si le chien mange le placenta, ben, vous n'allez pas revenir. Ah. Alors, je voulais vous, aussi vous. Alors, j'ai mis le lien, les amis. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas timides. Venez discuter. Et ici, à l'écran, vous voyez le. J'ai trouvé ce livre et j'ai pas eu le temps de me le procurer. C'est L'épopée du roi Narbert de Nyusere Kalala Omotunde, qui explique justement le roi Narbert, mais pour les enfants. Donc, c'est un beau cadeau que vous pouvez faire aux plus jeunes. Allez-y, un livre qui explique un petit peu l'accession au trône du roi Narbert. Alors, vous êtes Et tout petit aussi, ce plus qui est près. intéressant aussi, c'est que dans les documents, on a vu, parce qu'on a compté le nombre de prisonniers, le nombre de taureaux, le nombre de vaches. Donc, ce n'était pas sous les 10 doigts de la main, comme les Européens, ils disent que les Noirs, ils savaient compter jusqu'à 10 sous les 10 doigts de la main. Là, le pharaon, il prouve qu'on comptait le million déjà, en 3200. C'est incroyable. Ah oui, en 3200. Donc, même nous, maintenant, je suis sûr que tous ces gens qui délibèrent comme ça, ils ne seraient pas capables de faire la comptabilité que les Égyptiens faisaient sans calculatrice à l'époque. À l'époque, oui. Ah Je ne oui. sais pas, est-ce qu'il dit Parce que ce que si on rituel. vous donnait, Pardon, je disais qu'il y a Seba qui dit que ce rituel du placenta existe encore dans son visage. Comme quoi, hein, tu vois, Ah oui. les traditions ne sont pas perdues. Justement, Seba, alors, et les autres, vous n'avez pas de questions à poser à notre invité? Vous êtes timide aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est le froid. C'est vrai que chez nous, au Canada, il ne fait pas très chaud, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais. Alors, les amis, plus personne n'a de questions à poser. Alors, moi, j'ai une question à poser en attendant que les plus courageux arrivent. Je pense que tu les as intimidés, Pierre. Ton savoir les a fait Je peur. sais pas. Mais moi, j'ai une question à poser. Oui. Puisqu'il y a eu deux Égyptes avant la réunification de Narbert, est-ce qu'on sait à peu près, est-ce que c'était des civilisations similaires, complètement différentes? Est-ce qu'ils pratiquaient la même religion? Qu'est-ce qu'on sait de ces deux Égyptes? Est-ce qu'elles étaient si différentes les unes des autres ou pas? Qu'est-ce qu'on sait de ces deux Égyptes avant la réunification? Ah, Pierre? Mais on. Oui. Allô? Excuse-moi, ça a coupé pendant un moment, on t'entendait Oui, plus. oui. Tu peux répéter? Non, on pense que c'est des peuples qui étaient sensiblement identiques. D'accord. Donc, voilà. Mais on pense que dans le nord, il y avait déjà infiltration d'éléments sémitiques. Oh. Oui. OK. Au côté oriental. Voilà. OK. Je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie d'entrer. Par contre, il y a une règle ici, je l'ai toujours dit, on ne se cache pas. On active sa caméra. Ça, c'est la règle ici. Il faut se montrer. Nous sommes des Africains. Entre Africains, on ne se cache pas. Alors, ma chère, ou mon cher, c'est plutôt ma chère, j'aimerais que tu actives ta caméra, s'il te plaît, si tu veux rentrer Je vois, dans il y le a live. quelqu'un qui demande où trouver l'enseignement des Médunéter. Auparavant, je donnais des cours, mais c'était un peu compliqué puisqu'il n'y avait pas suffisamment de personnes pour continuer à donner des cours. Et donc, des fois, j'étais obligé de recommencer pour ceux qui étaient absents. Mais je sais qu'il y a d'autres organismes qui donnent des cours de Médunéter. Moi, je veux bien recommencer à en donner. Mais il faudrait voir ça. Ok, donc il va falloir être sérieux, les amis, hein, parce que c'est bien beau de dire je veux apprendre, mais il ne faut pas commencer, puis au bout de 3 mois arrêter. Hein. Donc Oui.
Parce que les médunéteurs, ce n'est pas simplement des petites phrases. Hein. Vous savez, il faut apprendre à compter. On l'a vu. Donc, il y a des cours sur les mathématiques pour compter, additionner, savoir comment on dit les chiffres. Il y a des cours sur les pronoms personnels, les pronoms possessifs. Et après, il y a des conjugaisons. Parce que si vous ne savez pas conjuguer, ce n'est pas la peine. Et après, Effectivement. ben, il y a sur tout ce qui est syntaxe. Parce qu'il y a ce qui est écrit et ce qui doit être lu. C'est-à-dire, nos ancêtres, ils écrivaient quelque chose. Mais vous savez, c'est l'écriture, le médunéter, ce n'est pas comme l'écriture hiératique. L'écriture hiératique, si vous voulez, vous lisez toujours dans le même sens. C'est-à-dire, c'est comme l'hébreu et l'arabe, ça se lit de la droite vers la gauche. Tous les textes en hiératique sont comme ça. D'accord? Après, vous avez l'écriture démotique et après, vous avez l'écriture copte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les médunéters, des fois, il y a ce qu'on appelle des antépositions. C'est-à-dire que quelque chose va être placé devant un mot, et mais en la réalité, il se trouve derrière. Donc, vous ne pouvez pas lire comme ça, comme vous lisez le hiératique. Il y a un travail de décodage, comme je dis. Parce que je n'aime pas le mot déchiffrer, parce qu'il y a le mot chiffre dedans. Alors, c'est des lettres, c'est un code. Donc, il faut savoir décoder. D'accord, on va accueillir Donc, comme on l'a vu pour le nom de Narmer, voyez, il faut décoder. une Donc, méthode. en fin de compte, ça signifie le protecteur, celui qui a protégé le barrage, la digue. Et les gens vont vous dire, c'est poisson-chat, le couteau poisson-chat ou le poisson-chat coupé. Des noms en flux. Voyez? Très bien. Donc ça, c'est entendu. Alors les amis, si vous voulez apprendre les hiéroglyphes, il va falloir être très sérieux. On va accueillir le premier panéliste juste après ça. On est de retour avec notre premier panéliste qui s'appelle Paul Soubdoum. Bonjour, bonsoir Paul. D'où est-ce que tu nous appelles? Bonjour, je vous appelle depuis Accra, au Ghana. Ah, le Ghana, enchanté. Ben, ravi d'être parmi nous. Je te laisse poser ta question à Pierre. Ok, bonjour Pierre. Je suis venu tardivement sur le direct. Je suis Bonjour. venu là où vous. Bonjour Paul. L'unification des deux terres. Et vous aviez parlé de Shemsou ou Sematao. Et je voudrais savoir, existe-t-il une relation entre le Sambation, dont parle le Talmud, et le Shematao? Non, aucune relation. Le Sambation, c'est dans la légende des tribus perdues d'Israël, où ils disent que arrivé en Éthiopie, qu'il y a un endroit où il y a un fleuve qui s'appelle le Sambation, et pendant le sabbat, on ne pouvait pas traverser. Et donc, certains ont essayé d'interpréter en disant que le Sambation, ce fleuve, serait le Zambèze. Donc, parce qu'au niveau du nom, ça ressemble un petit peu, et que le peuple en question serait peut-être les Lemba qu'on retrouve dans cet endroit. Ça Et on a ressemble même un petit pensé que les ruines du peu. Zimbabwe, voilà, que les ruines du Zimbabwe, c'était l'œuvre de Salomon, de la reine de Saba. Mais tout ça, c'est des légendes, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Égypte. Et Reste quand avec nous, vous bon, Paul, si tu as d'autres questions. On va accueillir Kanita Tabiri. Bonsoir, bonjour Kanita. D'où est-ce que tu nous j'entends appelles? mal. Allô, allô? Ton micro est coupé, Kanita? Kanika, pardon. Kanika, j'ai mal prononcé. Voilà, on t'écoute. Stoppé, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Bonsoir à toi. D'où est-ce que tu nous appelles? Moi, j'appelle de la Guadeloupe. Oh, la Guadeloupe est à l'honneur. Oui, j'ai vu qu'il y avait l'émission en direct et j'ai vu que je pouvais me connecter, donc je me suis connectée. Eh ben, tu es la bienvenue. Donc, j'ai eu le temps de voir que vous avez présenté le livre du Roi Narmer. Je l'ai, ce livre. Ah, Je l'ai excellent. déjà lu. Il est à relire encore et encore et encore.
parce qu'une lecture ne suffit pas. Donc, et je prends le temps d'écouter Monsieur Nilon. Enfin, j'écoute votre... Et est-ce que tu as une question particulière à poser à Pierre, de remarque? Non, pas spécialement. Je m'informe, je complémente ce que je sais déjà. Et puis, il y a sans doute des informations que M. Nilon ou les autres membres qui sont là vont nous apporter aussi. Excellent. Donc, je suis tout oui. Excellent. Ben, reste avec nous, tu es la bienvenue. Paul, si tu as une autre question, c'est à toi, n'hésite pas. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai également entendu Pierre parler d'Horus et il voulait établir une relation entre Horus et Patros. Malheureusement, il nous avait quittés et je n'ai pas bien suivi. On ne t'a pas bien entendu, Paul. Tu peux répéter, s'il te plaît? Que Pierre nous quitte lors du direct, il parlait d'Horus et ensuite, il voulait parler d'Horus avec Patros. Malheureusement, il nous avait quittés, je n'avais pas bien entendu. Je voulais savoir quel est le lien entre Horus et Patros. Non, Patros, j'ai expliqué, c'est en égyptien. Pas signifie le ou la, d'accord? Enfin, c'est le, normalement. Ta ou to signifie la terre, le pays. Et ros signifie le sud. Donc, Pataros, qui va donner Patros dans la Bible, signifie le pays du sud. Et donc, Horus, il est présenté comme étant le maître du pays du sud. C'est pour ça que quand vous voyez, par exemple, les rois, ce qu'on va appeler les serviteurs d'Horus, certains vont dire les suivants d'Horus, les Shemshurah, ben ils viennent du sud. Comme je l'ai montré, le faucon Horus, qui va rentrer dans le symbole du Shematawi. Et 7 va représenter le nord. Voilà. Ah, j'ai un autre panéliste qui attend de le faire. Et ça explique aussi certaines choses. C'est que quand vous voyez, des fois, on dit que 7 qui représente le nord, 7 il est rouge. Que Horus, dans Plutarque, on dit qu'il était blanc. Mais simplement par rapport au bonnet. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Quand on dit que Horus était blanc, donc on va l'assimiler au sud, le bonnet blanc. Et Seth étant rouge, c'est par rapport au nord. Vous voyez? Et pareil aussi, il y a Victor Loret, qui est un égyptologue, à un certain moment, quand il a étudié la faune et la flore à l'Égypte pharaonique, il va parler de l'orge blanc et l'orge rouge. Mais ça n'existe pas. En fin de compte, quand c'est noté en hiéroglyphe blanc ou rouge, c'est tout simplement par rapport à l'origine. Rouge, ça veut dire que ça vient du nord. Blanc, ça vient du sud. C'est simplement la provenance des produits, des denrées alimentaires qu'on était en train de comptabiliser, quoi. Pour dire, voilà, du sud, on a récolté telle quantité, du nord, telle quantité. Mais ce n'est pas des variétés de blé ou d'orge différents. Vous voyez? Très bien. On va accueillir notre nouveau panéliste. Christophe, on t'écoute. Sois le bienvenu. D'où est-ce que tu nous appelles? Bonjour. J'appelle de Guadeloupe, étant guadeloupéen. Mais non, j'appelle de Montpellier. J'avais une question qui, en fait, porte sur... l'intervention de la dernière fois. C'est concernant les Éthiopiens. En fait, la dernière fois, vous aviez expliqué que en partant de qu'ils avaient contourné l'Arabie Saoudite pour pouvoir aboutir jusque... Bon, alors, je crois que c'était une hypothèse, hein, ou votre hypothèse. Mais j'ai trouvé ça très intéressant comme proposition,
dans le sens que, effectivement, c'est des Noirs qui sont un peu différents. Quand on voit ce que ça donne après en aide, un petit peu différent. Et bon, par la suite, bon, ça a travaillé un petit peu et je me suis finalement demandé quelle était finalement l'influence de ces gens-là dans, premièrement, la création de toute la culture égyptienne qu'on a eue, même au niveau du Soudan jusqu'au sud, donc jusqu'en Égypte, et aussi par rapport à leur influence de la création des hiéroglyphes même. Puisque en Afrique, il y a aussi beaucoup d'écritures qui existent, et même les mathématiques sont attestées loin du sud de l'Afrique. Oui, effectivement, la dernière fois, j'avais expliqué ça. Oui, j'avais expliqué qu'en partant de la Mésopotamie, il y a des Noirs, enfin, moi, j'ai expliqué les Mésopotamiens, parce qu'ils étaient mélangés à cette époque. Ils ont contourné la péninsule arabique pour arriver dans la corne de l'Afrique et remonter après, se diriger. Mais je n'ai pas dit qu'ils ont créé la civilisation égyptienne. Hein. C'est ce que je tenais à montrer, c'est que au moment où ils arrivent à l'époque qu'on appelle Nagada, et ce n'est pas simplement une thèse de Pierre Nilon, il y a des égyptologues qui défendent ce genre de thèse aussi. C'est qu'on voit à l'époque de Nagada, c'est basé sur des artefacts, il y a des documents, et même si il y a des peintures rupestres aussi, à cette période en Égypte, où on voit des peuples qui arrivent sous des bateaux de style mésopotamien. Donc, vous voyez, c'est basé sous des éléments. Et donc, ces gens-là, ils ont apporté leur savoir-faire aussi dans ce que je pourrais appeler la naissance de la civilisation égyptienne. Vous voyez? Et il n'y a pas que, par exemple, tout à l'heure, là, j'ai parlé des Soninké. Parce que dans ce que j'ai démontré au niveau de Narmer, on trouve beaucoup d'éléments soninké. Mais je ne dis pas que la civilisation égyptienne, c'est une civilisation soninké. Il y a une nuance. C'est-à-dire, je montre les différentes composantes. Il y a une composante Rolof, il y a Pulao, il y a soninké, il y a Bambana. Tous ces gens-là, j'ai parlé aussi des Haoussa, des peuples de langue tchadique, d'autres peuples de langue couchitique aussi. On retrouve tout ça en Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est le pays des Noirs, comme on dit. Ce n'est pas le pays, ce n'est pas le tribalisme, c'est pas, ça n'appartient pas à un seul peuple. C'est un peu comme nous aux Antilles, vous savez. Aux Antilles, ben, il y a des gens qui venaient de partout d'Afrique, des gens aussi qui ont du sang indien, il y a d'autres éléments au niveau de la culture antillaise. On ne peut pas dire que la culture antillaise, c'est une culture, par exemple, congolaise. C'est une culture africaine, mais il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire, quand on va étudier notre langue, on va trouver des éléments, des similitudes avec certaines choses, par exemple au Bénin, au Togo, d'autres au Sénégal, d'autres au Congo ou en Angola. Voilà. Très bien. Merci en tout cas pour la réponse. Ouais. Reste avec nous, Christophe, si tu as d'autres questions, on va accueillir Diouf qui vient d'arriver. Et il y a une chose aussi que vous aviez dit. Reste avec nous, Christophe. On va faire tourner la parole parce qu'on est déjà à 2 heures d'émission et je ne voudrais pas non plus notre invité. Oui. On va accueillir Diouf. Mon cher Diouf, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends bien. Côté à toutes et à tous. Toi, le bienvenu. D'où est-ce que tu nous appelles? Oui. Oui, merci. Je salue. Notre grand Pierre Nélon, que j'estime beaucoup, et aussi toi aussi, avec toute la famille qui sont ici. Donc, j'avais un peu de questions à Pierre Nélon. Je suis serrère et pourtant, il réfère beaucoup donc, sur la langue serrère. Et beaucoup de ce qu'il dit, je le comprends. Et donc aussi, ses racines, tout cela, je le comprends. Donc, chez nous, j'habite dans la petite côte, vers Joal. Et là-bas, donc, nous avons la fête comme si on peut dire le nouvel an en Serre, s'ils viennent, c'est juin.
Donc, on le fait entre le 16 juin jusqu'à presque le 20 ou le 25, comme ça. Et je me demandais s'il y a des similitudes entre, comme le nouvel an égyptien ou non. Parce que je vois, il fait des rites qui sont que si je regarde parfois les rites qu'on fait en Égypte, parfois chez nous, je regarde que presque c'est la même. Mais donc, je n'ai pas des confirmations comme vous qui connaissez les écritures égyptiennes avec tout cela. Et chez nous, à chaque année, et même l'année qui vient et l'année qui est déjà passée, nous avons fêté cette fête-là. À chaque 16 juin, donc, tout le village, ils vont se rassembler, et ça qui nous va amener, donc, les milles avec tout cela, ce qui tu peux amener, donc, on va demander, lié envers les ancêtres, aussi, fait que la pluie qui vient puisse abandonner pour que les personnes puissent avoir tout ce qu'ils peuvent manger. Donc, je demandais exactement s'il y a des rapports avec l'Égypte comme ce qu'ils en faisaient, oui ou non. Donc, j'ai cherché complètement. Et c'est la première fois aussi que je participe de ces émissions-là. Merci. Oui, effectivement, il y a des similitudes avec ce qui se fait en Égypte. J'ai parlé au début, quand on parlait de la chronologie, qu'il y a eu des réformes calendaires, c'est-à-dire que le calendrier a changé. Aussi bien chez les Européens, ils sont passés du calendrier romain, là, avec la fondation de Rome. Il y a eu le calendrier julien, le calendrier grégorien. Donc, c'est ce qu'on appelle des réformes calendaires. En Égypte aussi, ça existait. Il ne faut pas croire qu'il y a eu un même calendrier sans réforme. Donc, j'avais donné des exemples. Si vous prenez, par exemple, j'avais expliqué à l'époque de Ramsès Ier, il y a eu une réforme calendaire. Donc, on le voit. Sur le Ramesséum, le premier mois est noté Tot, alors que sur le plafond de Sénémoun, ben, c'est marqué ce qu'on pourrait vocaliser Ubiren. Donc, vu que tu parles de Serer, certainement le Rolof. Ubi, c'est ouverture. Ren, c'est l'année en cours. Donc voilà, ça, déjà, ça veut tout dire. Donc, on voit qu'il y a une réforme. Il n'y a que trois mois qui ont gardé leur nom. Mais si vous allez, par exemple, bien avant, à l'époque de Napata, sur le site de, pas Napata, Napta Playa. À ce moment-là, le calendrier est fixé, ben, comme tu l'as dit, chez les Serrères, au mois de juin, au solstice d'été. Donc là, c'est exactement identique à ce qui se fait chez les Serrères. Mais après, si on regarde d'autres réformes qu'il y a eu, on s'aperçoit que c'est identique à ce qui se fait chez les Somalis. Par exemple, les gens qui fêtent le 19 juillet, ben, chez les Somalis, le nouvel an, c'est en principe le 20 juillet, la nuit du 20 juillet. Et ce qui est intéressant, parce que des fois, des gens parlent sans avoir étudié, Hérodote parle d'une fête qu'on faisait à l'occasion de ce nouvel an, qu'il appelle la fête des lampes. Ben, dans les documents égyptiens, ben, au Louvre, il y a une stèle que j'ai étudiée, où on parle des cinq jours épagomènes et qu'on parle de cette fête que les gens faisaient, cette fête des lampes. Qu'en Somalie, ils font toujours, à l'occasion du Nouvel An, ils appellent ça Dab Shib. En Somalie, ça signifie allumer le feu. Vous voyez ? Donc, ils faisaient ça à l'occasion du Nouvel An. Et il y a autre chose qu'Hérodote rapporte encore qu'on faisait à l'occasion du Nouvel An. Il y avait une fête où les gens se battaient avec des bâtons. Ils se querellaient. D'accord ? Et cette fête existe chez les Somalis. Ils l'appellent Istunka. Le « is », c'est le causatif, ça signifie « faire »,« rendre ».« Tunk », c'est « se battre », »,« tunka ». Donc « istunka » signifie « se battre ». Ben, le « tun » qui signifie « se battre », on le retrouve encore en copte, qui signifie les gens qui se disputent, qui se querellent. Voyez. Donc cette fête, on retrouve ça jusqu'à maintenant en Afrique de l'Est, où les gens ils se battent à coups de bâton, et notamment en Somalie, parce que la Somalie, c'est le pays de Punt. Donc quand les Égyptiens arrivaient, depuis 2500, à l'époque aussi de la reine Hatshepsut, donc vers 1490, ben, il y avait des échanges. Hein. Donc c'est-à-dire, quand vous prenez les relations qu'il y avait entre l'Égypte
et la Corne de l'Afrique, ben, ils descendaient la mer Rouge. Ça a duré pratiquement 2000 ans. Donc, en 2000 ans de relations commerciales, c'est sûr que ça laisse des traces. Mais cette fête-là que tu parles, c'est comme c'est le CRR, il y a ce qu'on appelle, après la dans la circoncision, si vous avez fait la circoncision, là-bas, donc, les gens se battent parce que donc, chacun va montrer sa capacité de, comment dire, pouvoir résister ce qui est, on peut dire résister la vie ou résister, savoir que la vie n'est pas facile. Là, chacun va frapper l'autre et va lui aussi. Il y a un véritable enseignement qui est là-bas. Qui est là-bas. Mais ça, là, on le fait donc vers... Diouf, on ne t'entend plus. On ne l'entend plus. Diouf, on t'entend mais bon, plus. Je confirme, il y a beaucoup de similitudes. C'est dans ce moment. Oui. Oui. Oui, il y a beaucoup de similitudes entre, de toute façon, les peuples sénégambiennes, de Sénégambie et l'Égypte. Parce que dans la tradition qui est rapportée, à l'époque perse, il y a eu au moins 6 migrations de peuples depuis la vallée du Nil jusqu'en Égypte. Et donc, le Sénégal se trouve être un concentré d'anciens Égyptiens. C'est-à-dire les Soninké, les Serer, les Poulard, les Rolof, les Bamana, tous ces gens-là sont des descendants d'Égyptiens. S'ils ne sont pas les ancêtres des Égyptiens, ils sont leurs descendants. Voilà. Parce que tous ces peuples viennent de la vallée du Nil. Ils ont transité en Égypte et après ils se sont retrouvés. Même le peuple là. Il y a des mots, par exemple, des racines, quand je parle de squelette consonantique, par exemple, R, D, R, T ou L, T, en relation avec le pied. Donc il y a des mots, par exemple, en Somali, qui signifient courir, partir. Ben, il y a des mots comme rodo, rat, lat, Ret, tout ça, donner des coups de pied. On retrouve ça aussi bien en Rolof, en Serer, en Poulard et en Égyptien, évidemment. Oui. Ouais. C'est vrai. Oui. On va faire passer parce la que j'étudie. Parce que aussi, j'étudie... comme le Kila, donc, tout à l'heure, tu parlais. Normalement, avant que cette fête-là, on le fait. C'est, si c'est là-bas chez nous, les sœurs, c'est donc 3 fois qu'ils doivent, couler, quoi, comme je n'ai pas les mots, mais c'est-à-dire, comme le premier mois, les vieux vont aller les regarder. S'ils l'avaient arrêté ici, donc après 3 mois, 4 mois, il va venir. Première, deuxième, troisième, au troisième parti, c'est là-bas qu'on va faire la fête, cette cérémonie-là. Ces cérémonies-là, donc on peut dire que dans 2 ou 3 jours seulement, la pluie va commencer. Et donc ça, là, ça dépend aussi de... Ce n'est pas le Nil, mais donc les bras de mer qui sont auprès de là-bas. Les bras de mer, chaque moment, surtout dans la saison sèche, c'est là-bas qu'on va regarder comment la... Comment dire, la pluie, la saison des pluies va commencer. Tout à fait. Oui. C'est exactement comme ça en Égypte, et même en Égypte, si vous voyez la partie du nord de l'Égypte que les Européens vont appeler Tamekou. Le radical même du mot, c'est Mag. Mag, même en Sérère, je pense que tu peux le confirmer, ça signifie la mer. D'où l'intérêt, les amis. Merci en tout cas. Oui, reste avec nous, Diouf. Oui, reste avec nous, Diouf, parce que je voudrais aussi faire parler un peu Christophe qui attend patiemment. Vous voyez l'intérêt un peu d'étudier notre histoire, l'étudier, de comprendre. Eh ben, c'est pour ça que je me tue à vous dire à chaque fois que je fais des missions, lisez, achetez des livres. Je vous rappelle encore Hérodote, lisez Hérodote. Je vous ai mis les liens dans la barre de description. Je vous ai mis aussi les liens pour Le Roi d'Armer, expliqué aux enfants. Allez-y, abreuvez-vous de lecture. N'hésitez pas, ne vous contentez pas de regarder des lives. C'est bon, il faut regarder les lives, mais il ne faut pas faire que ça. Il faut aller chercher l'information parce qu'on ne vous la donnera pas. Christophe, si tu as d'autres questions, c'est à toi. Est-ce que ton micro est coupé, Christophe?
Christophe, ton micro est coupé. Pardon, excusez-moi. Oui, je disais que je n'ai pas vraiment d'autres questions. Mais tout à l'heure, on avait évoqué que, voilà, il est essentiel d'apprendre les monétaires. Oui, je suis complètement... voilà, voilà. Maintenant, où, avec qui? Bon, voilà. Bon, moi, de mon côté, je ne suis pas historien, je suis un scientifique. Mais je m'intéresse à ces choses-là, on va dire, depuis longtemps même, un peu. Et même, voilà, par exemple, voilà, vous voyez, voilà, bon, je suis un scientifique, hein. Mais bon, c'est un exemple de choses, c'est un exemple de choses, c'est les autres qui nous racontent, qui font les traductions. Et des fois, je vois des choses et je me dis, je suis pas sûr que c'est pas comme ça, qu'un kémite peut-être, je sais pas si je devrais dire kémite, pourrait expliquer ce qui se passe. Voilà. Bon, c'est ça. Je pense que c'est effectivement une chose essentielle, incontournable, d'apprendre les médounétaires, effectivement. Et un certain nombre de langues africaines, bon, je ne suis pas africaine, je suis resté un peu au Sénégal, mais voilà, je ne parle pas des langues africaines. Mon cher Christophe. Mais je pense que c'est quelque chose d'important, pour, même pour nous, la diaspora. Hein, pour nous, la diaspora. Pour que. Voilà. Pour te donner et sa diaspora. Une réponse, mon cher Christophe. Voilà, j'ai rien à dire. Envoyé à ce livre-là. Voilà. Okay. Verso de la médecine et de la chirurgie, écrit par médecin d'art. C'est qui? Quado Ferdinand de Bajolo. Cholo. Attendez, je vais me mettre en mode solo. Donnez-moi deux secondes. Format solo. Que voici, et je vais le mettre ici à l'écran. Quado Ferdinand Doba Cholo. L'Afrique noire, berceau de la médecine. Ok. J'avais fait une vidéo sur. Ok. J'ai fait une petite vidéo. Va sur ta chaîne. Okay. Origine de la médecine. Va sur ta chaîne, tu verras. J'ai fait une petite vidéo sur ce livre qui nous explique les origines par un médecin martiniquais. Ouais. Impeccable. Ok. Très intéressant. Ouais, avec plaisir. Merci. Sinon, ben moi, je vais prendre congé de vous. Donc, Eh ben, un dernier mot, les amis, de conclusion avant de laisser partir notre invité. Alors, bonne soirée. Excusez-moi. Vas-y, Kadika. Alors, c'était juste une petite question. C'est par rapport toujours au Medunature. Est-ce que sur la Guadeloupe, parce que je sais qu'il y a des personnes qui seraient intéressées, vous proposeriez des cours des Medunature? Bah là, ça sera en distanciel. Présentiel, ça va être un petit peu. Le problème, c'est qu'il faudrait vraiment des gens sérieux pour que je mette sous pied des cours. Mm-hmm. Il faudrait combien de personnes? Oh, il faudrait une quinzaine de personnes, je pense, mais il faut vraiment. Parce que c'est du travail, je suis très occupé, donc je ne vais pas faire des cours pour 2-3 personnes. Parce que le gros souci aussi, je vous le dis, j'ai souvent mis sous pied des cours, les gens, il y avait une demande, mais les gens, ils sont comme ça, c'est-à-dire ils demandent, quand c'est là, il n'y a plus personne. Et donc, voilà quoi. Donc les amis, si vous voulez prendre des cours de Medunature, ça demande de la rigueur, de la discipline. Ouais, sinon, ça ne marchera pas. C'est comme ça qu'on va faire changer les choses. C'est comme ça que l'Afrique, les Africains vont retrouver la place qui est la leur avec un peu de discipline et de rigueur. Surtout dans la longévité. Il ne faut pas se lancer et au bout de 3 mois arrêter. Il faut continuer encore et encore. Surtout alors, les cours que je donne, ce n'est pas la convention européenne. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de recherche par rapport à nos langues pour restituer, pour mettre dans le contexte. Donc, je ne peux pas me permettre de perdre du temps.
le message est passé. Les amis, je vous propose une dernière chose. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir cette chaîne, The African Polyglot, vous voyez le petit défi à l'écran. Allez-y voir la petite boutique. Achetez, faites-vous plaisir, une tasse, un t-shirt, qu'importe. Et puis, vous voyez à l'écran, vous avez un promo code PILON10 et obtenez 10% de remise sur tous les articles jusqu'à demain. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je vous ai mis le lien dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas. J'ai un demande où je peux avoir le livre de Fernando. Pardon ? Je ne t'ai pas entendu. Diouf, je ne t'ai pas entendu. Oui, je disais que où on peut trouver les livres de Pierre Nélon. Ah, je vais laisser Pierre répondre à cette question. Mais actuellement, il n'y a que le livre La Véritable Bible. Les livres de Pierre Nélon, où on peut le trouver. Je disais, actuellement, il n'y a que La Véritable Bible de Moïse aux éditions Anigoué qui est disponible. Sinon, les autres, c'est épuisé pour l'instant. Ah, ok. Parfait. Ok, voilà. Ok, merci vraiment. Merci vraiment aussi. Oui, oui. Merci, merci vraiment. Merci, merci. Ciao. Merci à vous d'avoir suivi l'émission, les amis. Ce fut un plaisir. Merci à toi, Pierre, de nous avoir donné un petit peu de ton temps. Je le rappelle, n'hésitez surtout pas à aller sur la page Facebook de Pierre Dillon et suivez son travail. Allez sur sa chaîne YouTube également, Pierre Dillon, soutenez son travail. Et si vous vous sentez généreux, n'hésitez pas à soutenir la chaîne The African Chronicles. Allez sur le lien qui défile, je l'ai mis dans le chat. Profitez du promo code, le promo code c'est PDILON10 et vous obtiendrez 10% de remise sur tous les articles, que ce soit une tasse comme celle-ci, un t-shirt, un hoodie et que j'en sais. Et j'en passe. Les amis, ce fut un plaisir. Pierre, merci encore une fois de ton temps, de l'énergie que tu as mis pour nous. C'était très très apprécié. Tu fais partie de la famille maintenant, hein, tu le sais, hein, t'es chez toi. Tu peux revenir quand tu veux. Un dernier mot de la fin, Pierre, et on te laisse. Ben, ce que je dirais, c'est qu'il faut faire de la recherche. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on nous raconte. Il faut fouiller, il faut interroger les anciens. Il faut ne pas hésiter à se remettre en question. C'est-à-dire, ce que vous avez appris il y a 2 mois, il faut revenir dessus. Il faut voir si c'est toujours d'actualité. Est-ce qu'il n'y a pas une fouille qui remet en question certaines choses, donc sans cesse se remettre en question. Excellent, fut le mot de la fin. Merci encore une fois, Pierre. Merci de ta présence. Tu reviens quand tu veux, ça fera avec plaisir qu'on fera une autre émission. Merci aux panélistes d'avoir participé. Merci à ceux qui étaient dans le chat d'être venus et d'avoir regardé avec beaucoup d'attention. Et vous connaissez l'adage, je vous souhaite une excellente journée, soirée, tout dépend de l'endroit où vous êtes. Vous connaissez mon adage, le savoir est utile, que lorsqu'il est partagé, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.